C'est loin la connexion en cours là. Sa tête bugué. Et réel est là, mais il manque que toi. Ouais. Je sais pas, la collection encore prend. Ah, ça y est. Sélectionner un empire. Créer un empire. Oulala, je clique où là? Alors, quand t'as créé, quand t'as appuyé pour créer un empire, ça t'ouvre. Tu appuies sur sélectionner et ça t'ouvre plusieurs petits trucs. Sélectionner, c'est où ça? Moi j'ai une gonzesse avec une planète à droite, monde continental. Voilà. Tout en haut à gauche, tu as espèce, après ouais. Avec plusieurs petits onglets. Donc tu appuies sur chacun de ces onglets et tu peux après choisir, personnaliser complètement ta race. Son apparence, etc. etc. Ok. Nom de l'espèce. C'est quoi ça? Ah, c'est qui préfixe des pas des vaisseaux. Tu peux l'enlever, tu peux en changer, tu peux faire ce que tu veux. Coucou, je suis aussi un débutant. Allez. Ça te dérange pas si je reste? Allez. Vas-y, vas-y. On va dire que j'ai fait les 30 minutes de la première partie, mais bon. Ah, t'as déjà fait plus que nous. Ouais, mais bon, j'ai juste fait les 30 minutes, quoi. Il y a des petites idées sur ça, c'est bon. C'est quoi tous ces points là? Point de trait restant 2, nombre de traits encore possible 5. Alors en gros, c'est à dire que tu peux te mettre des malus pour pouvoir te mettre plus de bonus. Type de. Il s'est fait déplacer de force ou ça se passe comment? J'en sais rien. Pour arriver en parlant. Bah non, j'arrive. Non, c'est mon frère qui parlait quand je suis arrivé. Mais ouais, je remets les points communs là. C'est à dire quoi quand c'est en rouge et quand c'est en vert? Quand c'est en vert, c'est des bonus. Quand c'est en rouge, c'est des malus. Mais en vert, c'est moins 1 ou moins 2, c'est normal? C'est justement, c'est les malus. Les malus te, mais c'est te mettent vert. Moins 1 point pour que tu puisses rajouter justement des bonus. En fait, le malus, il est en vert et le bonus, il est en rouge, du coup. Parce que c'est, le, c'est les points. C'est les points c'est que, le ça point te que ça t'enlève. Les en malus gros, te vert, rajoutent ouais. Des points. Les bonus t'enlèvent des points. Exemple, peu adaptif est en rouge et il te rajoute moins 2 en vert. Parce qu'en fait, ça te rajoute 2 points. Donc c'est en vert, c'est positif de te rajouter 2 points. Mais le symbole est en rouge parce que le truc en lui-même est négatif. Comment je sais ce qu'il fait? Ah ok. Mais tu m'attends souris dessus. Ouais, tu m'attends souris dessus et ça t'apparaît écran à côté.
Et après, je le sélectionne et ça se passe quoi après? Non, ah, faut choisir 5 traits là-dedans. Oh. Pas forcément. Si tu te mets pas de malus, tu peux en choisir 2 de 1 qui te coûte 2 bonus qui te coûte 1 ou un truc qui te coûte 2. Après, si tu veux te rajouter des malus pour avoir plus de bonus, ça c'est toi qui vois. Une nouvelle type de map. Parce que là, on est en elliptical depuis tout le temps. C'est ce qu'on avait avant. En gros, moi je vais mettre super à la 4 branches, j'ai bien le truc dégueulasse. Ça. Par contre, 1000 étoiles. C'est ouais, c'est bien, mais tu vas vite voir que c'est pas beaucoup. On cherchait des mods avec Pomelo pour mettre 10 000 étoiles. Oh, un qui te met 15 000. Et d'ailleurs, gravité des crises, redescendez à 1. Parce que si jamais, on va se faire dérouiller. Si tout le monde sait pas comment ça fonctionne, les crises, mets-les plutôt à 1. Ouais, je vais les repousser, t'as raison. Parce que les crises, qu'on soit ennemis ou amis, non, mets-les à x1 surtout. J'ai entendu un JJ scan qui pouvait pas prendre. Non, tu peux avoir un Great Khan, qui spawn. J'ai entendu un bruit. En fait, c'est. Mais des anti maraudeurs d'ailleurs. Mets des anti maraudeurs, ça étoffe un peu le jeu. Non, mais c'est Pomelo, après il ira là. Non! C'est juste que à chaque fois qu'il spawn, il y a les empires maraudeurs à côté de lui. Mais c'est vrai! Tu mets des tas d'empires déchus, ils tombent toujours à côté de moi. Tu mets des empires avancés, ils tombent à côté de moi. Tu mets des empires maraudeurs, ils tombent à côté de moi. Ils sont toujours équitablement répartis sur toute la galaxie, au cas où. Donc tu peux tomber à côté, c'est tout à fait normal en fait. Équitablement répartis à côté. Un système de entre nous, c'est un peu kitsch comme équitable. Ah bah si t'as pas de chance, t'as pas de chance. Hein. Ah mais ça je sais. Faut en prendre plusieurs ou juste deux, c'est bon. Non, tu peux en prendre autant que tu veux en fait. En fait, le truc c'est que tu peux prendre que des bonus si tu veux, mais t'auras des points, tes points seront dépensés. Si tu prends des malus, du coup, c'est pour avoir plus de bonus derrière. Ouais, non, mais ça j'ai compris, mes points de trait restants, je suis à 0, donc je veux pas. T'as pas besoin d'en prendre plus. Comme tu veux. Toi qui. Je peux pas y aller en négatif, c'est ça que je veux dire. Non, tu peux pas. T'as un nombre limité aussi de points, de trucs à faire. Pour te donner, je vais te donner à peu près des constitutions de trucs que j'ai fait moi. Il y en a qui sont fortes, solitaires, apprend lentement, robustes et intelligentes. Et j'ai deux malus au milieu de 3 bonus. Ok. Et Miss, je l'avais envoyé à Clo. Bon, il a pas dû capter. Ah, c'est bien, un peu streamac. Ça commence déjà à être technique foireuse. Bon, alors, du coup, je vais prendre le chou. Ah, faut que je ma planète aussi, putain. Il y a un mec qui m'envoie un message, ça commence. Bonjour, je sais que tu ne verras pas mon message. Oui. Parce que les planètes n'ont pas la même habitabilité, dépendamment le type de planète que tu choisis. Oh, c'est un manga de base. Ça change quoi de. Ça change quoi les différents climats? Les ressources qu'il y a dessus? Non, c'est vraiment juste le climat et l'habitabilité, comme je l'ai dit. Ok. L'habitabilité, c'est. J'ai refait faire un retour. ton pourcentage habitable, en fait, si tu peux l'habiter ou pas, c'est ça. Hmm? L'habitabilité. Ouais, l'habitabilité. Voilà. C'est le pourcentage pour habiter là-bas. Ok, merci, monsieur. Oui. Plus l'habitabilité est basse. Plus les malus au niveau de la population, que ce soit son développement et tout ça, les ressources qu'elle produit, sera grand. D'accord, ok. Et les robots ont habitabilité 100% partout? Oui, les robots, c'est 100% partout. C'est des enflures, ceux-là? Ouais. tous ceux qui jouent robots, c'est des cheaters.
Par contre, le problème des robots, c'est que la majorité des races ne les aime pas du tout. On est gentil. Non, on va vous foutre en boîte de conserve. Mais non. Après, dans robots, il y a aussi plusieurs trucs qui viennent comme exterminateur déterminé, mais c'est bien, mais comme pas bien. Tom, il y a trop de points à mettre de partout, là. Pépé, vraie question existentielle. Alors, dans tes éthiques, t'as le choix entre mettre un des trucs verts ou plus un truc orange. Je prends un truc vert et un truc orange. Oui. Ou trois trucs verts. Ou trois trucs verts. Putain, il y a trop de texte. En fait, t'as 3 points et les jaunes te consomment 2 points. Ouais, et puis prends pas le truc central parce que tu vas rien piper. Ouais, ça me désactive les didacticiels, donc je vais pas le prendre. Mais voilà. Alors tu vois, le didacticiel, par contre, c'est... Genre, t'ouvres une page, ça te fout 5 dialogues. Et comment j'ai choisi ces putains de points? T'as juste à appuyer dessus. Tu désélectionnes et resélectionnes. Tu peux pas choisir un truc dans la même branche. Ok, et merci. Là, t'es avec xénophobe et fanatiquement xénophobe. Ouais, tu peux pas être les deux en fait, parce que c'est fanatiquement xénophobe, t'es xénophobe hein, fondamentalement. Mais en fait, pas, chaque truc que tu choisis, oui, c'est le même bonus, mais justement, en fait, le bonus de xénophobe est moins élevé que fanatiquement xénophobe. Donc en fait, tu peux pas cumuler les deux bonus. Bon, ça t'empêche de cumuler les deux bonus. Mais en gros, le bonus de fanatiquement xénophobe est plus élevé du coup que xénophobe. Et tu peux pas prendre son opposé aussi. À savoir que ces points-là que tu choisis, en fait, vont aussi déterminer la diplomatie. Les gens avec qui tu vas t'entendre dans le départ du jeu. C'est-à-dire que si par exemple, t'es spiritualiste et xénophobe et que t'as un mec que tu rencontres qui est xénophile matérialiste, tu vois, genre ça va être l'exact opposé de toi. Donc en gros, il va te détester copieusement et puis il va venir t'arroser dès qu'il va pouvoir, quoi. C'est comme moi avec l'Empire des Chutes qui était à côté de moi, quoi, qui m'a empêché de prendre des planètes Gaïa. Pourquoi moi j'ai des onglets qui sont rouges et que je peux pas sauvegarder? Parce que t'as des trucs qui vont pas, t'as des trucs qui correspondent pas. Ouais, bah là, c'est du chinois le truc. Il faut que t'ailles regarder en fait quand tu vas dans... Ou t'as pas fait ce qu'il faut, ou alors t'as des points en trop. C'est ça, t'as des points en trop où il te manque des choses. Dans le nom de l'espèce. Ah bah c'est que tu l'as... Alors tu t'as pas mis le nom pas, d'espèce tu... alors. Que t'ailles le randomiser au pire si tu veux pas trouver un truc. Ouais. Mais c'est ouais, fameux truc là, le... L'autocratique et tout le bordel, tu fais ça comment? Pour être une république autocratique, par exemple, tu vas faire fanatiquement. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Ça, c'est ton autorité. Donc, la manière dont ton système, enfin, dont ton empire va être joué, en fait. Donc, soit tu vas être un gouvernement démocratique, soit tu vas être oligarchique, soit tu vas être. Attends, t'as quoi? T'as oligarchique, démocratique, dictatorial. Et du coup, t'as le firme aussi qui se rajoute. Comment je choisis? Ah oui, il y a impérial aussi, pardon. Ah, c'est je peux ça. Pas choisir intelligence mécanique, c'est dommage. Non, intelligence mécanique, en fait, t'es un être vivant, enfin, t'es un être biologique, donc tu peux pas être une... C'est ça la conscience de Gestalt, en fait. Conscience de Gestalt, par exemple, t'aurais pu être un esprit de ruche. Il y a trop de trucs dans le jeu. Ouais, ah, pour un jeune navigateur, il est pas mal, hein. Ça m'embrouille. Non, mais honnêtement, je crois que les deux premières heures, c'est l'enfer, mais après, tu verras, tu vas prendre ton pied. Et comme qui disait Uvran, si les amis sont réussis, tu peux réussir. Dis-toi que si je me réussis, toi, tu y arrives pas. C'est grave. Toi du monde sur tes épaules. Si je peux t'aider pour les firmes, la firme que j'ai fait qui est plutôt équilibrée, ça dit que je suis donc commerçant indépendant et j'ai des franchises. Ça me permet d'avoir un truc quand même assez équilibré, ma valeur commerciale et mes valeurs de la succursale sont plus élevées, du coup ça me rapporte plus de fric. Et l'impact de mes succursales sur l'extension de l'Empire est réduit de 25%. J'aurais quitté, j'en fais à ce prix, moi.
Donc il y a des... En fait, il y a déjà trois fermes, deux fermes, c'est ça? Ceux qui sont en grisé, tu peux pas les sélectionner. Ok. Moi, ça prend au niveau du régime. Moi, je suis une ferme, par exemple. J'hésite, je prends ma ferme ou je prends mon Union Européenne? Si tu comprends pas, Shoji, je serais toi, je commencerais vers un truc assez basique, genre impérialiste ou des trucs comme ça au moins t'as pas à gérer les votes. T'as pas à gérer justement les problèmes que peut avoir une firme, parce qu'après t'as beaucoup de trucs secondaires qui se rajoutent avec une firme. Comme par exemple le fait de devoir rajouter des trucs sur les mondes de tes alliés, le fait de devoir te faire des alliés, tout ça. Impérialiste, tu... Autoritariste, matérialiste, c'est neutre à ce truc, et puis au moins tu... Les premiers trucs, tu vas pouvoir arriver à quelque chose. Ok. Moi, je sais même plus ce que j'ai mis. Je suis militariste, matérialiste. Militariste, fanatique, mais... Tu peux mettre ça aussi, militariste, matérialiste, c'est un bon point de départ. Xénophile, par exemple, enfin des trucs assez compliqués à jouer, c'est xénophile spiritualiste ou xénophile pacifiste, xénophile égalitariste, c'est aussi assez c'est un peu particulier comme gameplay. Du coup, moi j'ai mis impérialiste. C'est basique, impérialiste ou dictatorial en fait, en vrai, ça va. Moi j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de se faire chier avec des votes ou des trucs comme ça, j'ai pris ça. J'ai vu que voilà, si le dirigeant il meurt, c'est son successeur, et puis c'est tout. Bon, on va reprendre lui. Ah, je peux pas. C'est chiant ça. Hey, Pomelo, on a le même bonhomme. Non, sérieux? Pourquoi c'est un monde mort chez moi? Ah, c'est le truc post-apo. Bah, c'est moi qui l'ai créé, mon perso. C'est ça, t'as pris une civilisation post-apo, genre donc en gros Fallout. Je sais plus ce que ça te rajoute comme truc. Mais... Tu peux coloniser les planètes désertiques, je crois. Moi, je crois que surtout tu peux coloniser toutes les planètes, il me semble que t'as une super habitabilité avec ça. Ah oui, t'as plus 70% je crois d'habilité sur un système, de ce que j'ai vu, je crois. Attends, mais pourquoi ça t'augmente juste l'habitabilité des mondes morts. Après les autres ça. Que j'avais remarqué, les coloniales, les mondes tropicales, je crois que c'est à 80% et les autres, je crois que c'est à 60%. Les arctiques, subarctiques et les montagneux, je crois que c'est à 20%. Shoji, là je vois sur ton map, il y a des trucs rouges. Et le truc rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Elle met un rouge à gauche. Les trucs rouges, c'est dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Comment dire? Ouais, t'as oublié de mettre tes politiques, enfin tes éthiques. Pourquoi c'est pas bon mes points de trait? Non, si c'est bon. Bah, c'est en rouge. Non, le trait c'est bon, c'est le régime politique qui est pas bon. Ok, t'es trait. Le régime politique, c'est juste qu'il te manque. Te manque quoi d'ailleurs? Ah oui, t'avais pas coché la case impériale. Vraiment une histoire de... Son chiant. Donc dans Empire, il faut mettre un adjectif. Ouais, il faut que t'aies un adjectif dans Empire. Si un pourton. J'ai jamais compris à quoi il servait l'adjectif de l'homme dans l'Empire. Si tu remarques, dans les conversations avec les IA, ils disent que la population, ils utilisent ton adjectif. Il n'y a pas de sauvegarder ta race. Tu sauvegardes et tu termines. Compliqué. C'est quoi, c'est des hiboux, Pomelo, ton truc hein, quoi? Mais quoi? C'est un genre de piaf, ton... Ouais, c'est un piaf. Ah, bah genre il a fait le robot. Il a une sale gueule. Laisse-le tranquille. Allez, Pomelo, Pépé, Shuji et Hugo, priez de mettre prêt. Laisse mon oisillon tranquille. Hugo. Attends, quoi, moi. J'arrive. Bon, vous allez tous râler après Shuji et RL, mais c'est Hugo qu'on a attendu le plus longtemps.
Quoi? Et il est où ton frère d'ailleurs? Je vais le gangbang. Parce qu'il revient pas de ouais, je vais le gangbang. Faut être plus survivant. C'est un peu vrai. On est des milliards. Dans ta tête? Pourquoi ma barre Windows a pas. Ah, j'étais plus dans le vocal. Enfin, on va lancer. Êtes-vous vouloir sûr de renoncer à retourner? Oh non, j'ai fait retour au menu, c'était quoi ce délire? Ah. Il y avait un truc à la con de texte de chat, j'ai voulu fermer le chat, ça me l'a fermé, putain. Bon, attends, je reviens. Non, mais il y a écrit quitter, mais pas quitter le chat, mais quitter la partie, c'est. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Ouais, c'est juste ça. Un jour peut-être. T'inquiète, tu peux rejoindre et tu pourras prendre ta civilisation au cours de partie, y'a pas de soucis. T'attends. Bah, on laisse en pause, hein, comme ça. Oui, je vais laisser. De toute façon, si. Je vais laisser en pause. Attente de l'accord de l'hôte. Ah, purée. Alors, le bouton quitter, c'est pour cliquer. Ouais, non, mais il y avait une fenêtre en attente de je sais pas quoi là. Oui, en attente de jouer. Je vais pas écrire dedans, moi, j'ai fermé la fenêtre. Tu sais comment ôter la barre Windows? Ça, il y a le F4. Plein écran ou mode de fenêtre. Oh, à quel point c'est pas des jeux? C'est vrai, non. Si, il le fait pas. Oh mais merde, ça aurait marché. Non mais Uvron. Non, faut que tu fasses attention, peut-être que c'est ta page internet qui est ouverte derrière et du coup ça... C'est des blagues avec Windows. Si tu veux fermer ta page internet, appuie sur Alt F4. Ouais mais que quand, quand t'es sur ta page internet, pas quand t'es sur le jeu. Bon du coup c'est quoi ce truc en attente de joueur? Mais t'attends. Là, synchronisation de la partie tu vois. T'as écrit synchronisation de la partie. Et on commence par quoi là? Je fais quoi? Tes recherches. Mes recherches. En haut à gauche. Ok, donc ça j'ai compris, technologie. En termes de placement, je suis assez bien. Oh, moi j'ai plus la merde en termes c'est de placement. C'est ça quoi les lasers? Ah, c'est pour la défense, ok. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est une arme. Si tu poses ces questions pour toutes les recherches. Non, c'est... On va pas s'en sortir. Et si on va s'en sortir? Non. Non. On va pas s'en sortir. Là, c'est toujours très long au début. Ah, j'ai un héritier, c'est cool. Après, je dois faire quoi? Faire un scientifique. Ok. Donc tu vas dans la carte de la galaxie. Donc je choisis mon vaisseau. Ah, galaxie, ok. Pourquoi on n'est pas en positive? Ok, non, et là je fais quoi? Je vais sur un point gris. Là tu vas sur un point gris droit, avec on appuie sur clic droit. Voilà, c'est ça. Et après tu fais shift et tu fais clic droit sur un autre système et tu vois, tu te mets toute une liste où tu vas reconnaître plein de systèmes. Ah, très bien. Il est où le vaisseau scientifique? En fait, au début, tu la vois dans ton gestionnaire en haut à droite. Au début, tu dois explorer. Ah, je savais pas qu'on pouvait appuyer sur Shift. Moi non plus. Sérieusement? Oh merde. C'est quoi ouais, non, mais vraiment. Ouais, comme un... J'en mets combien à peu près à l'Evron? T'en mets une petite dizaine. Oui. De quoi? T'inquiète. Rendors-toi. Alors, quand je disais que les MX avaient réussi à comprendre le jeu, tu viens de savoir je pas ça vraiment. En fait. D'accord, donc l'exploration est lancée par la suite. Moi j'ai juste compris qu'au début on me lançait et puis après c'est bon, après j'aurais compris que du coup il faudra faire le truc de plus en plus. Donc là j'ai lancé l'exploration, il y a quoi à faire? J'attends. Là je lance le jeu. Ton vaisseau de construction, tu vois, t'as des petites ressources en dessous de tes systèmes solaires. Ça, il y en a un qui a pas compris pendant au moins 5e. J'ai 3 trucs. Avec ton vaisseau de construction, tu peux faire des stations minières, des stations de recherche pour l'électricité, tout ce qui est recherche et tout. Donc quand c'est blanc, c'est que c'est pas construit. Et quand t'appuies sur Alt, tu vois déjà des chiffres verts. Les chiffres verts, c'est ce que tu gagnes actuellement. Ce qui est déjà construit, donc ton minage et tout. En sachant que la valeur commerciale, c'est un empire, c'est normal. C'est quelque chose qui est généré par ta planète. Et là, normalement, ça a dû trouver un truc, ça s'appelle une tradition. C'est tout ce qui va te permettre de savoir dans quelle branche tu pars. C'est où ça? Ah oui, tradition disponible. Voilà. C'est assez clair dans les titres. Mais qu'est-ce que j'apprends des trucs, moi? Ok. Oh, j'ai trouvé Alpha du Centaure. Alors que j'ai plus d'heures de jeu que Yvan. T'as pas plus de jeu. Ouais. Quoi, si? T'as plus de jeux sur moi sur la version.
Ça a la version honnête. Tellement dit joliment. Moi j'ai le plus d'heures de jeu tout confondu, c'est ça? Tu dois avoir à peu près autant que moi et t'as autant que Pomelo. Pomelo a 323 heures. Et toi t'es à 312, donc non, c'est Pomelo qui a le plus d'heures. Ah ouais. Ok, j'ai un peu compris comment c'est. Voilà, c'était peut-être qu'il fallait peut-être commencer par là plutôt que lancer directement. Et toi, IRL, comment tu t'en sors? Je bois rien, mais c'est pas grave. Pose des questions, moi, n'hésite pas. Déjà, des bases, envoie tes vaisseaux ton vaisseau scientifique. Là, t'appuies sur M pour voir la galaxie. Construction complete. J'ai toujours pas trouvé le vaisseau, donc c'est pas la peine. À droite, à droite. En haut à droite, t'as un truc, c'est gestionnaire. Tu vois, à droite, t'as un petit rectangle à droite. J'espère que tu l'as pas fermé. En cas où c'est haut pour l'ouvrir et le fermer. Et dedans, t'as ta terre, ton chantier spatial, flotte militaire et vaisseau civil. Et c'est dans les vaisseaux civils. Construction complete. Et dans les vaisseaux civils, t'as un truc, c'est le vaisseau scientifique. Et quand t'es sur la carte extérieure. Là-dedans, tu peux, avec ton vaisseau CV, faire clic droit et reconnaissance du site. Par contre, je crois que j'ai un trou noir juste à côté de chez moi ou un trou de verre, je sais pas. Trou noir, c'est génial. Trou de verre, ça peut être génial, mais c'est. Ça peut être bien, mais bon, voilà. C'est merdique ou bien, ça dépend de l'emplacement en fait. C'est ça dépend qui est à la sortie. Si le truc vient, il est au milieu de ton empire, c'est pas ouf. Ah bah il est à deux systèmes de ma capitale quoi. Ah, en fait ouais. Ça dépend de qui est à l'autre bout. Parce qu'en fait un trou de verre c'est entre... T'as un trou de verre d'un côté, un trou de verre... Ouais, je sais non, ça je connais le principe du trou de verre. Disons que... J'ai une flotte hostile. Oui. J'ai des indépendantistes. Bonne de connard, on est là. Disons que si c'est le suaire, il va pas. Construction complete. Construction complete. J'ai perdu les carottes. Construction complete. Qui c'est qui fait que des constructions complètes? Moi. C'est. Ah. C'est soit Shoji, soit Ego de façon. Comment tu sais? C'est toujours chez vous qu'on entend les jeux. Ah. Merde. Research complete. Merde. Merde. Research complete. Allez, j'attends le scientifique là demain. Génial. Moi je vais faire ce que j'ai fait. J'ai déjà une putain de faction rebelle quoi. Moi je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, rusher les points d'intérêt pour bloquer les autres. Et pouvoir m'éteindre tranquillement après. Comment on reconnaît totalement un truc? C'est-à-dire que tu me fasses explorer le système avec ton vaisseau scientifique. Et va l'explorer automatiquement jusqu'à 100%. Mais il prend c'est reconnaissance du système. Mais... Comment je fais explorer le système? Tu vois, c'est un système, tu fais clic droit dessus, il y a reconnaissance du système. Avec un vaisseau scientifique. Ah ouais, non, mais c'est fait, mais. Research complete. C'est qu'il a pas eu le temps de l'explorer entier. Ah, reconnaissance du système, faut que je fasse aussi. Faut que tu fasses que ça, en fait. Ah, il y a monsieur. Moi, je fais que de l'exploration. Quelle exploration? Bah, tu m'as fait, j'ai fait explorer le système. Ouais, ça veut dire qu'il va dans un système, il fait ouais, c'est beau, on change de système, allez go! C'est ça. Oh, faut que je pète ce truc ce truc primitif. Il y a 23 slots dessus. Tu vas vraiment attaquer les primitifs, sérieux? Mec, il y a 23 slots sur cette planète, j'avoue. Je peux faire masse énergie ou masse pomme, ça dépend. Très moche.
Synergie Masplum, j'adore. Moi je dis, mon entreprise va tout faire pour éliminer les gens qui veulent faire disparaître les paradis. Les paradis pour race inférieure, voilà. Ça va être le credo de mon entreprise. C'est-à-dire que tu vas attaquer tous ceux qui ont des Gaïa, c'est ça? Tous ceux qui ont quoi? Gaïa? J'ai pas vu. J'ai déjà deux mondes Gaïa, moi. Top. Non, tous ceux qui ont des. Qui veulent. Des factions en développement. Si on l'a détruit avant que ta voix, c'est-tu correct? Parce que je suis xénophile, je suis quelqu'un de gentil. Ah bah moi aussi j'étais xénophile. Moi je mets des iPhones dans les têtes donc c'est bon. Des iPhones dans les têtes. Il t'implante un iPhone dans la tête. Moi je vous propose de vous acheter vos mandats. Mais si on refuse. On cherche toujours la couille dans ça d'ailleurs. Hein. Tu peux essayer de refuser. One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our homeworld, so our colonists should be quite comfortable there. Ah, il me faut 300 de minerais, je suis à 299. Ça me rend fou. Mais ça veut pas monter. Seuls les mondes se trouvent dans notre espace peuvent être colonisés, je comprends pas. Ça veut dire que tu dois mettre un de base stellaire dans le système, enfin mais... pour qu'il soit dans ton truc. Moi je prends mon truc de construction, c'est ça? Oui. Faut que tu fasses une station dans le truc et Vaisseau de construction, clique droit sur le système en question, construire un avant-poste. Bah ça me dit que le système n'a pas été entièrement... Ça veut dire que t'as pas tout vu encore dans le système alors. Ok. Quand le nom est grisé, le système n'est pas reconnu. Quand le système a le nom en blanc, ça veut dire que tu peux y construire des avant-postes. J'ai sélectionné mon vaisseau scientifique avec des aides qui dort et je peux pas faire reconnaissance avec, c'est normal? Le nom est gris. C'est parce qu'il a pas de scientifique dedans. Il faut que tu mettes un scientifique. Faut que je mette un bonhomme dans le vaisseau? Ouais. Oui. Comment je fais ça? Tu veux le bonhomme? En bas à gauche, tu le vois quand tu cliques sur ton vaisseau. Dessus et après ça te propose de le recruter. Pomelo. Oui. Construction complete. Alors. T'auras un empire déchet en moins à côté de chez toi. Research complete. Pourquoi? J'en ai un à 4 systèmes de chez moi. De mon empire principal. Alors qu'il s'est pas développé une seule fois. Non, j'ai juste parcouru, je me suis pas développé. Mais il me fait peur. Hein. Oh. Youpi. Ah, je vais pas me coller à lui. Hein. Oh là là. Faut que je vois si même. Tu m'aimes, voilà. Kant? Même pas vraiment. Il est quoi? Pas du tout. C'est un bien, bien vénère spiritualisme. Ah bah, il m'aimerait bien alors. Bah. Moi, ça va, je suis pas matérialiste. Du coup, je suppose que c'est pareil pour les vaisseaux coloniaux, tout le bordel, faut mettre des gens dedans? Non, les coloniaux. Les coloniaux, en fait, quand tu les fais popper, t'as déjà une population dedans qui va se poser sur la planète. Okay. Oh, les salauds! Que choisis. Les seules flottes où t'as besoin de mettre des personnages, c'est attends. Flottes. Désolé. Réel, tu faisais quoi? Bah, je sais pas, il y a une flotte ennemie dans mon système, mais du coup, je peux pas me déplacer, je crois. Ouais, c'est exactement la même chose pour moi. J'ai une flotte et qui me coince complètement. Et là, tu fais des vaisseaux et tu la butes. C'est le seul moyen. Mais apparemment, j'ai une flotte militaire de base. Oui, mais après. C'est pas puissant.
Non, et aussi... non, et ta flotte, elle est surtout en passif. Alors tu peux... Surtout, tu peux ou t'amuser à faire le gros redneck et à aller défoncer, soit t'attendre que ça passe, parce que souvent, c'est des petits Yankee Whale qui se baladent par chez toi, mais qui vont s'éloigner. Donc, dans les faits, à toi de voir ce que tu veux faire. Hein. Bute-les, vu que tu sais pas combien de temps tu vas attendre, sinon. C'est quoi ce vaisseau que je déplace depuis tout à l'heure? Ah, c'est ma puissance militaire. C'est rigolo. Vous êtes de quel côté de la galaxie? Voilà. C'est une spirale que t'as mis ton truc ou c'est... Milieu sur une spirale. Pour rester dans le thème, ma flotte, vu que je suis une grande entreprise, bah, elle s'appelle Promotion. Voilà. En vrai, si c'est une spirale et qu'il n'y a qu'un de côté que je peux sortir de la spirale, ça va bien me faire chier parce qu'il y a l'Empire déchu. Ouais, du coup, entre deux. Juste à côté de chez moi, c'est bien un trou noir que j'ai. Du coup, c'est bien les trous noirs. Ça dépend. Normalement, il t'a l'air cher. C'est ça, soit c'est quelque chose de bien, mais de toute façon t'as toujours foutre une station et puis avoir 10 points de recherche en physique. C'est plus sympa. Ça me donne 2 de matière noire. Ouais, bon, à toute l'ascension c'est cool. Il faut faire attention à quand tu es parce qu'il y a des choses que tu peux débloquer plus tard. En fait, à chaque... t'as vu, t'as donc 1, 2, 3, 4... Attends, j'ai le putain de robot qui parle en même temps là. Ok, vas-y. T'as 7 arbres de tradition. Donc expansion, domination, prospérité, harmonie, suprématie, diplomatie et découverte. J'ai compris ça, j'ai pas mon truc. Dans chaque arbre, tu as 5 points. Oui, j'ai compris. Il faut que tu termines 5 points d'un atout de l'ascension qui se débloque. Oui. Une fois que tu as ton atout de l'ascension qui se débloque, tu cliques dessus et tu choisis un atout de l'ascension qui est disponible. En sachant que tu as des atouts de l'ascension qui sont disponibles en late game, d'autres qui sont disponibles avec des demandes particulières, comme par exemple le maître bâtisseur. Il faut avoir la méga ingénierie, déjà ouais, avoir au moins grave, deux... Je comprenais pas vraiment ce que tu me dis par rapport à ça. Mais là, du coup, j'en choisis quand même maintenant, j'attends, j'ai rien à attendre. Voilà, c'est ça. Okay, tu le sélectionnes. Je sélectionne un truc qui t'intéresse. Sachant que dans une partie, je les ai tous utilisés et on peut pas les enlever. Du coup, je m'étais fait un peu niquer sur cette partie. Utiliser. Parce que je pourrais pas m'amuser avec les colosses. Mais il a choisi autre chose et pas choisi les bons à toute l'ascension. Colosse, c'est pour s'amuser à détruire des planètes. Ouais, alors, si tu veux, normalement, pour quand tu fais la guerre. Il y a des trucs que tu peux pas, enfin il faut conquérir des planètes et ça baisse beaucoup le moral. Mais des fois c'est chaud de conquérir des planètes parce qu'après tu dois gérer la planète, etc. Mais t'en as beaucoup trop de planètes. Et avec le Colosse c'est bien parce qu'à la place de devoir gérer la planète et ça, bah, tu exploses. Ou tu l'as pacifié avec un super bouclier. Le vaisseau colonial il me sert à quoi là? Colonial, bah, tant que t'as pas de planète il te sert à rien. Mais ça sert à coloniser des planètes. Donc dès que j'ai créé ma base stellaire, je pose mon vaisseau colonial. Non, mon vaisseau colonial n'ira que sur des planètes que tu peux habiter. Donc les planètes habitables en l'occurrence. Et elles ont tout un pourcentage d'habitabilité. C'est-à-dire en fonction de ta race et des choix que tu as fait sur tes trucs. Toi, je crois que c'était monde mort. Et ben normalement, tu dois avoir un taux d'habitabilité plutôt élevé sur pas mal tous les mondes. Excellent. As you can see on the galaxy map, donc en gros, dès que t'as normalement, quand tu recules sur ta map galactique, t'as des planètes qui sont dessinées un petit peu. On a une, deux ou trois selon par système, des fois quatre, hein, mais bon, bref. Et en fait, tu sélectionnes donc ces mondes selon les caractéristiques. Donc par exemple, les mondes arides vont avoir souvent plus d'électricité à produire. Les mondes glacés vont avoir plus de minéraux et les mondes on va dire continental et dans le genre vont avoir plus de bouffe en production. Les mondes Gaïa c'est un équilibre. D'accord. Les mondes Gaïa c'est particulier. Tout le monde peut les habiter. C'est 100% pour tout le monde. Je fais comment là du coup? Je clique sur ma planète, je fais coloniser
Mais non, avec t'as un vaisseau colonial déjà, oui, sers-toi ton vaisseau colonial pour coloniser. Bah tu prends ton vaisseau colonial et tu vas sur le monde, mais vérifie bien que t'as une bonne habitabilité, sinon tes pays, tes gars ils vont pas. Ouais, il faut savoir que le vaisseau colonial, le vaisseau colonial, ça sert à rien de le construire comme ça soi-même, parce que tu cliques sur la planète, tu fais coloniser et ça le construit tout seul automatiquement. Ouais. Et viendra automatiquement sur la planète que t'as dit coloniser. Voilà. Congratulations on having colonized the new world. Our colony. Ça va être tellement normal le truc. Je suis coincé. Ça coûte cher les trucs minières. Situation log updated. Toi, ce que j'ai cliqué là. Toi. Dès que t'as fini, je vais t'envoyer. Research complete. J'ai pas assez d'influence. Construction complete. Construction complete. Empire déchu. Ça veut dire quoi quand il y a un petit vaisseau en vert qui tourne autour d'une planète et un petit vaisseau en jaune qui tourne autour d'une planète? C'est qu'ils sont en exploration ou en reconnaissance, c'est ça? En jaune, normalement, c'est neutre. Ça veut dire que c'est pas à toi, mais c'est à quelqu'un. Ah, mais non, il est à moi, il est dans mon tout vaisseau civil. D'accord. Non, c'est ta faute. Okay. Alors, le vaisseau vert, ça veut dire qu'ils sont en orbite autour d'une planète. Et le jaune, c'est quoi? Jaune qui tourne autour de la planète, c'est certainement qu'il doit aller vers l'orbite de la planète. Ok, en déplacement. Quand c'est difficile, hein, une anomalie, il se passe quoi si je la foire? Des fois, tu peux avoir la mort de ton scientifique. Des fois, une réussite critique. Donc, ça dépend. Et des fois, rien du tout. Je sais pas, j'enquête, on verra. Ouais, c'est ce que je fais tout le temps aussi, en fait. Maintenant, je fais des trucs. Moi, je fais que les habituels ou les plus bas. Je les fais toutes. Construction complete. Moi, je prends soin de mes scientifiques. Moi, je leur dis fuck. Ouais, oui, ok, d'accord. J'ai qu'une Gaïa à côté de chez moi. Construction complete. Déjà, t'as une Gaïa. Ah, mais c'est une Gaïa à 16. Ah, et alors? Et alors, c'est super bien. C'est une Gaïa à 16. C'est une Gaïa. J'ai Bételgeuse à côté de moi. Trop bien.
escalade, bétalugueuse. Elle a un désert de poussière à particules. Ça, par contre, c'est très grand, ça. Ok. Oh là 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 là. Des marées bouillonnantes trop bien. Moi je suis dans la merde parce que j'ai pas d'énergie, du coup je peux pas faire de vaisseau, mais si je peux pas faire de vaisseau, je peux pas dégager ces questions de... qui me bloquent, du coup je peux pas m'éteindre. Donc je suis dans le caca. Construction complete. J'ai peut-être lui proposer un accord commercial à lui. Je peux proposer un accord commercial à un empire déchu? Si t'aimes bien, oui. Ouais, je crois. Super bien, je suis à plus 100, 160. Bah, c'est toujours, hein. Et ça serait super bien, hein, s'il t'aime bien et qu'il fait un accord commercial. Imagine un accord scientifique. Situation log updated. System survey. Moi je suis à moins 40 avec lui, donc je l'ai un peu peur, mais tout va bien pour l'instant. Ouais, il a accepté. En fait, je lui donne ma communication et. Il a accepté l'accord commercial du coup. Puis j'ai de la thune. Moi je suis dans la merde. Mais je vais pas être ouf dans cette phase. Alors qu'est-ce que tu. Pourquoi tu fous rien avec cette construction là? Tu as une station minière à faire et puis après tu as une station de recherche. Merci de me les faire. Putain, je suis en death d'influence ce coup-ci. Influence tout le temps. Voilà, je vais faire. J'ai l'attends, non. Qui est cette alien gamme? C'est bon. Merde. Quand le nom du système est en blanc, c'est qu'il explore entièrement, c'est ça? Ouais, ça. Yes. Alors, je crois que, ou soit j'ai deux empires déchus à côté de moi, ou soit j'ai un empire déchu et un empire... Non, t'as pas mis les empires mardeurs. Attends, c'est quoi l'empire déchu que t'as à côté de toi, Matt? C'est un truc avec un Raima. Ah non, attends. Jibru Guardian. Ok, parce que moi j'ai deux empires déchus à côté de moi. Ouais, mais moi je suis en haut à droite. Oh donc, putain, j'ai un exterminateur déterminé. Au milieu à gauche. Construction complete. Où est-elle là? Quand tu disais en haut à droite, c'est où? Research complete. Bah, je peux pas être plus. C'est... Tu fais un. Comment ça s'appelle? Putain, mes cours de maths. Un axe. Les axes. Hein, l'ordonnée et l'axe. Research complete. Putain, il y a l'ordonnée? Mais c'est bon. Non, mais genre, d'un coup, moi aussi, je suis en haut à droite, mais je te vois pas. Mais vous êtes pas assez développé pour pouvoir vous faire bien, Zesto. Anomaly found. Ah, c'est moi, il y a des gamma aliens qui me bloquent. Ah, bah moi j'ai des vaisseaux aliens qui me bloquent. Oui, mais les gamma aliens, ça dépend, c'est dans l'ordre que tu les découvres, je crois. Ils te donnent le nom gamma alien ou bêta alien. Non, non, alors gamma alien, c'est juste parce que c'est présenté à toi en tant que. Moi j'ai deux accords commerciaux avec deux empires déchus à côté de moi. Ah, une civilisation, elle est en quoi? Industrie. Je tombe que sur des industriels. Ah, notre civilisation, elle est en quoi? Renaissance. J'ai pas encore de civilisation, je crois. Non, j'ai pas trop de construction complete. Construction complete. Oh, encore 40. 50%.
Situation log updated. C'est bon, vous m'entendez? 3, 4, 5. Ouais. Yes. Ouais. Tu arrives, Viriel? Je sais pas si j'y arrive, mais ouais, je fais des trucs. T'as compris un peu le système entre le vaisseau de construction et scientifique, de toute façon? Ou pas? Ouais, mais je me focalise plus sur autre chose que ça. Ok. Yvran? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as mis les empires maraudeurs? Oui. Du coup, c'est un empire maraudeur que... Ok. Alors, au nord de chez moi, j'ai un empire maraudeur, et au sud de chez moi, j'ai un empire déchu. Et je peux pas, du coup, m'étendre plus. C'est le fun, ça. Parce qu'il me bloque des deux côtés. Ah, quoique, je peux le faire contour de 1, voire même de l'autre, mais bon, il va pas trop m'aimer, je crois, que s'il est dans mon territoire. System survey complete. Comment on fait un arraisonnement? Comment on fait quoi? Un arraisonnement. Quelqu'un qui a la réponse? Je vois pas du tout ce que c'est, donc... Bah, je t'ai pété un vaisseau ennemi, et ils me disent... nos forces sont neutralisées... Alors, tu sélectionnes une armée, et tu fais un clic droit sur l'événement. Ouais. Il te faut une unité d'armée, donc tu vas sur ton monde, tu vas sur armée. Non, là c'est juste ta flotte, t'as juste besoin de ta flotte là. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, y'a trop de texte. Research complete. Mais du coup, c'est tellement pratique l'exploration automatique, tu les balances et comme ça, t'as plus à te faire chier. Admiral, c'est pour les vaisseaux, on est d'accord? Oui, amiral, oui. Research complete. J'ai recruté un admiral des maraudeurs. Pourquoi tu dis admiral? Dis amiral. Ouais, je sais pas, j'ai mis un D, mais c'est... je suis fatigué. C'est comme ça que ça s'écrit en anglais, mais amiral, tout court. Une petite flotte, je peux les rassembler en une seule? Oui. Comment? Tu sélectionnes tes flottes. Vous parlez trois en même temps là. Désolé. Clique dessus, tu vois en haut, t'as des petits. Sélectionne les deux flottes. Les petits carrés. En haut à gauche, et il y a fusionné dessus. Ok, ouais, attends. Ouais, le raccourci, c'est chaud. Je sélectionne dessus. Après, j'ai les petits carrés quelque part là. Ouais. Oui, en haut. Il a fusionné. Combiné des flottes. En haut. En haut à gauche. Pas dans le ouais, carré. On l'a trouvé aussi, moi. Donc. Fusionné, ouais, mais il est en gris. Il fallait les griser. Il faut que tu sélectionnes deux flottes. Comment je sélectionne deux flottes? C'est RL? Non. Dans... Ok, c'est bon, c'est bon. Les carrés avec la souris. Non, mais j'ai fait clic gauche, j'ai pris à sélectionner l'ensemble. Ouais. Ça marche aussi. T'as entendu RL pour du coup pour faire ta grosse flotte ou t'as déjà fait comme tes têtes? Non, peut-être pas. Tu peux sélectionner, tu sais, en restant clic gauche et agrandir un rectangle là. Et tes différentes flottes, tes petits vaisseaux, les mettre tous en une seule grosse flotte à déplacer. System survey complete. Ouais. Ok, bah je t'ai manqué de retard du coup. Comment ça marche le machin automatique? Tu cliques sur un vaisseau et en bas à droite, enfin en bas à gauche, t'as exploration automatique. Une icône en bas à gauche. Et voilà, maintenant t'as plus besoin de trifouiller tes vaisseaux scientifiques. Ils font tout le, ils font toute l'exploration eux tout seuls. Ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis en automatisé. Sauf si tu veux faire comme moi et bloquer les autres et du coup rusher des points stratégiques pour. Pour bloquer les fonctions des autres. Je l'ai ça moi? Je sais pas. En fait, moi ça va, moi je suis défendu. Ah oui, je l'ai, j'ai, okay. J'ai un point à défendre noir, un point à défendre sûr. Parce que tous les autres points sont bloqués par deux empires déchus. Mais l'exploration ça sert à quoi du coup? C'est la reconnaissance qu'il nous faut, non?
Oui, c'est la reconnaissance. L'exploration, c'est vraiment juste pour envoyer tes vaisseaux sur le système, sans qu'ils fassent rien du tout. Il n'y a pas reconnaissance automatique ? Ah, dommage. C'est l'exploration automatisée. Ça reconnaît en même temps. Ah, ben je sais pas, ok, du coup. C'est ça que c'était ça ma question. Oui, avec l'exploration automatisée, ton vaisseau il bouge tout seul, il fait tout. Bah, ça, j'ai passé mes trois vaisseaux en exploration automatisée. Anomaly found. Vas-y, vas-y, enquête sur toutes les anomalies, je m'en fous. Hein. Non, c'est pareil. Je laisse tout. Ah, les anomalies, c'est. Elles les font pas. Hein. Elles les font pas? Pendant qu'elle reconnaît ce système, si elle découvre des anomalies, tu reçois une page et après c'est toi qui décides si tu veux les faire ou pas. Ouais, elles vont pas automatiquement. Un peu ce système là. Vous voulez pas mettre en très rapide? Ah, les gens? Non, là, c'est en rapide pour nous, les nouveaux, c'est un peu compliqué. Ouais, mais je sais pas si les nouveaux ils ont grand chose à faire. Vous avez des choses à faire? Ouais, je suis encore en train d'envoyer mes trucs de construction de partout là pour faire des avant-postes. Que les îles de la deuxième planète, donc là faut que je le fasse. Parce que le problème, je peux rien faire parce que j'ai pas d'alliage, donc du coup je peux plus m'étendre. Moi je t'ai un gros latin de la France. Je fais explorer parce que j'ai tout exploré et je suis coincé par des ennemis. Encore une chose, faites gaffe à pas vous étendre trop parce que si vous vous étendez trop, vous allez dépasser votre capacité administrative et ça vous rapporte plein de malus. Ouais, bah j'en ai 70. C'est où ça? C'est tout en haut, où t'as toutes tes ressources. C'est le sixième symbole en partant de la droite. Found. C'est celui qui dit extension de l'Empire. Et la limite, par exemple. Ah oui, d'accord. Oula, j'ai 19. Ouais, mais c'est sur 50, je crois, de base. Ouais, c'est beaucoup, 19. Oula, là, la base, c'est 30. C'est bien, 39. Attends, c'est bien que c'est pas. Faut être plus haut ou plus bas? Ton extension totale de l'Empire doit être plus basse que ton capacité administrative. Ah non, mais c'est bon, je suis tranquille. Voilà. Si tu la dépasses, tu reçois des malus. Ok, merci Miss, bonne soirée à toi aussi. Ouais, à un moment donné, ça sert à rien. Franchement, t'as parfois plus de bonus que de malus à avoir. Oui, mais seulement quand t'es déjà en mid-game ou en late-game. Si tu as des malus en début de game, tu vas rien faire. Tu l'as donc sûr. Allez, tends-toi là, si tu veux. Vas-y, oui, voilà. Allez. Allez, et maintenant je dois dormir. Plus rien à faire. Bonne nuit. Ouais. Pas ce que j'attends, moi. Ah si, je sais ce que j'attends. Construction complete. On est encore à côté, c'est sérieux? Attends, il est pas. Tu sens comme il a dit, il est. En écho, les voix. Ah merde. Comment elle a dit, il est pas content quoi. Pourquoi tu m'aimes pas, Maxi? Tu vas encore essayer de me bloquer. Bah c'est non. Enfin c'est plutôt là qui me bloque toi, parce que je peux m'étendre que là où tu es et du coup je peux pas m'étendre maintenant. C'est quoi c'est ça, Ivanic Veil? Reste là où tu es, Mathieu. Moi je sais même pas si j'ai des emplois. Foutez-vous sur la gueule hein, les gars. Allez pour le spectacle. Baston. T'as pas que ça m'a pire déchu ça.
Moi j'ai deux empires déchus autour de moi. Voilà, je suis face à un qui m'a dehors. Il y en a un qui... Le premier que je vois qui me bloque, de toute façon je tape. Tape. C'est bien quand pour un empire déchu, on est condescendant avec lui. Ah, c'est écrit quand c'est. Research complete. Si c'est vert, c'est que c'est positif. Maxi, ça doit être plus qu'autre chose que je t'ai dit. À faire. Construction complete. Si tu veux. Ce monde est difficilement habitable. Oh, shot. On peut y aller du coup. Maxi, il veut pas faire campagne, du coup, je vais devoir le défoncer la gueule. Parce que c'est ma porte de sortie. C'est bon, ok. Tu peux me l'envoyer. Research complete. De toute façon, je suis sûr qu'il y en a forcément qui va se faire défoncer par un empire déchu. Ou un essaim d'ouvreur ou un truc du genre. Comme Ubron la dernière fois. Ubron était hyper bien la dernière fois. L'essaim d'ouvreur est arrivé. Il n'y avait plus d'Ubron. Bon, c'est pas un essaim dévoreur, mais ça pourrait être chiant. Un exterminateur. Détermin. Préciser qu'il est déterminé. C'est un robot méchant, quoi. L'avantage, c'est que je peux l'endiguer, donc pour l'instant, il m'attaque pas trop parce que certes, il est. Une flotte écrasante par rapport à moi, mais encore. Entre la partie de là et la partie tout à l'heure, j'ai trouvé personne. Moi, je préférais largement la partie tout à l'heure. Anomaly. Moi, j'avais tout pour m'étendre là, j'avais coincé tout le monde. Les gars, s'étendre, c'est pas forcément la win. Hein. Arrêtez de croire que s'étendre, c'est la win. On le sent, on sait, hein. Ouais. Parce que, en vrai. Ouais, mais du coup, moi, j'avais plus. Je contrôle des petits empires, et puis. Ouais, ben, non, mais. Je vois, hein. Ouais, mais dis-toi que là où je me suis étendu, il y avait plein de trucs pour matière noire, de ressources stratégiques. Et il y avait masse de petits marchés, là aussi, que tu peux échanger des trucs stratégiques aussi. Donc. C'est pour ça que c'était hyper bien là où je me suis étendu. Je me suis pas trop étendu, je me suis attendu juste assez. Alors que là, je suis coincé dans un tout petit truc et je peux rien faire. Parce que j'ai deux planètes que je peux coloniser. C'est tout. Ok, l'autre il commence à m'insulter. Qui ça? System survey complete. Tu veux m'insulter, connard? Situation log updated. Ah, oh, rigolé. Ok, tu me fermes les bordures, hein, moi aussi, hein? Mais moi, c'est surtout que c'est moi. J'ai mis à jour ma politique, du coup. Pour ça, tu sais, la politique que ça ferme à tout le monde dès le début. Pas me faire. T'inquiète pas, je vais te faire ouvrir. Construction complète. Ah non, merde, c'est un autre truc ça. System survey complete. J'ai qu'un seul scientifique de dispo. Il faut que t'en achètes de nouveau. Ouais, je veux ça. Mais bon, il faut d'abord que je fasse le vaisseau. On va faire un autre. Ok, que je dois aller là pour bloquer. Good. Mais tu peux bloquer, je m'étendrai pas vers toi. Le Mordor qui me fait bien sécher comme ça. Tu peux pas, genre, t'expandre vers le Sebelius Shroud? Genre en bas à droite. System survey complete. Parce que si dedans j'avais vu bloquer, j'aurais fermé déjà mes frontières et j'aurais
Rush Kamaston. Ston. Truc, machin bidule. Que ça fait une plombe que je le vois déjà. Enfin, que je peux le faire, mais bon, ça sert à rien parce que je vais dépasser sinon ma limite administrative et que j'ai déjà assez de ressources chez moi. Et bon, il n'y a pas grand monde qui peut me faire chier avec les deux empires qui m'entourent. C'est pareil, j'ai deux empires qui m'entourent aussi. Moi, je suis tout seul dans un coin. Pourtant, je croisais personne. Par contre, moi, tes frontières, je veux que mes vaisseaux, là, explorent un peu. Ah non, c'est correct. Pour découvrir les autres. Non, non. S'il te plaît. Mais je t'ai ouvert les miens. Parce que mais je veux découvrir les gens de la map, mais si je peux pas passer par toi, pas passer par grand comme l'Empire des Chus, en plus il me bloque, il m'a fermé ses frontières. Tu vois, c'est l'Empire des Chus. Celui qui est en bas de moi, ouais. En bas de toi. Mais en haut à gauche. Ah, en haut à gauche, c'est un Empire Maraudeur. C'est quoi ça? C'est un peu comme le déchu, sauf que c'est. En moins pété. Voilà. Non, plus gentil parfois. Mais parfois, ils te demandent quand même de quoi le payer. Tu peux utiliser les empires maraudeurs pour les envoyer gentil. Attaquer tes ennemis. Empire maraudeur en plus. Le sache ou est-ce qu'ils le sauront? Bon, comment on l'achète pour attaquer ma... L'empire des choux aussi, hein, tu peux faire pareil. Si tu lui donnes plein de trucs et qui t'aiment bien, oui. Non, l'empire des choux, il attaquera jamais personne. Enfin, System Survey complete. Tu peux lui demander, tu peux pas lui demander d'attaquer d'autres gens. Les empires maraudeurs, tu peux. Tu les payes pour attaquer d'autres gens. Des mercenaires. Est-ce que les autres savent que c'est toi qui les as payés? Non. Ils voient juste une flotte de maraudeurs s'approcher de leur base et tout détruire. D'accord. À savoir qu'ils t'attaquent tes planètes, mais ils te les détruisent pas, ils te les raident. En fait, ils récupèrent des ressources, puis ils se barrent, mais ils détruisent par exemple toutes tes stations minières. J'ai une méga structure à côté de chez moi. Portail désactivé. C'est normal. Alors ça c'est pour plus tard. Quand tu l'auras dans ton territoire, tu auras des recherches pour connaître le voyage à travers les portails et après pour construire tes propres portails. Et du coup c'est bien. Oui. Par contre, si tu vois un portail L, tu n'ouvres pas. Ou sinon c'est t'es dans ta merde et on te laisse tranquille. Non, ça c'est quoi un portail L? Bah, c'est un portail avec écrit L. Quelle belle description. Et si tu veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté, bon bah ouvre-le, hein, Mais voilà. En fait, si tu veux, je vais te la faire en anglais et tu vas très vite comprendre qu'est-ce que ça veut dire. En anglais, ça donne Hellgate. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair? Hell, c'est pas le niveau de difficulté techniquement? Non, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est à peu près ce à quoi ça correspond si tu veux. Non, c'est pas. Ça va pas se faire. Tu peux l'ouvrir. Et ça risque celui qui est le plus loin de toi qui risque de survivre pendant toute la game. Absolument pas, les gars, non. Partout, il y a des portes L sur toute la map et les trucs et les horreurs qui en sortent, elles en sortent partout. Une fois qu'il y en a une qui est ouverte, elles sont toutes très hautes. Donc il fout absolument tout le monde dans la merde. Ça. Oui, mais du coup, celui qui est le plus loin de la porte d'une porte L, il est pas dans la merde. Ah, il aura un potentiel de survie un peu plus long, mais il va quand même crever. Oui, mais il aura gagné contre les autres en tout cas. Non, parce que le jeu considérera pas que t'auras gagné tant que t'auras pas éliminé la crise. Donc, le jeu, non, mais après, on n'a pas besoin du jeu pour savoir ce qu'il est. Oh, hell yes! Centre de coordination stratégique en ruine. Oh non. C'est chiant ça, j'ai un station qui vient de pop et qui est en train de tout me détruire vu que j'ai pas de flotte, et voilà. J'en ai marre. J'aime pas cette partie. C'est facile de dire ça. Mais je me fais péter, je peux pas m'étendre et
je suis coincé, j'ai aucune ressource et rien de bien. Ça par contre, je suis très très content de la découverte que je viens de faire. C'est bien. Ok, j'ai une flotte hostile des aliens géants. Faut pas que j'aille voir ça, c'est ça? Je pense que c'est des baleines Yankee, t'es tranquille. Il y en a 14. 14 vaisseaux. 20% complete. T'as une planète habitable. System survey complete. Voilà. Les meilleures planètes pour l'instant que tu puisses habiter, c'est celle à 80%, ou si t'as la chance, c'est les monts de Gaïa à 100%. Mais t'inquiète pas, après, plus tard, quand t'auras bien avancé technologiquement, tu auras l'option de terraformer les planètes. Moi j'ai déjà. Ouais. Moi aussi. Ah. Par contre, ça coûte cher. Oui, ça coûte 2000. 2000 2000 en énergie. C'est rien. Oh, ça coûtait 5000 la dernière fois. Je crois que ça dépend de la taille de la planète en fait. Ou soit de la taille, ou soit si. La... Ah ouais. Ah ouais, ça doit être la taille. Non, c'est pas la taille. C'est l'habitabilité. Oui, c'est l'habitabilité. Ah, possible. Non, parce que j'ai une planète où. Où je peux mettre 12 districts avec 15 habitabilités. Quand je clique sur le scientifique, il est en bas. Pour la terraformer, il faut 5000 et l'autre, il faut que 2000 parce qu'elle a 60 d'habitabilité. Par contre, je peux faire 16 districts. Quand je clique sur le scientifique et qu'en bas, à la gauche, je clique sur étudier l'anomalie. Il va lui-même chercher l'anomalie à faire. Ouais, oui, il va la chercher. Complete. Du coup, je pourrais juste rester sur ma planète et envoyer mes contre mes vaisseaux comme ça. Quoi. Oui, oui. Bah oui, t'es pas obligé de tout faire en... Tu peux tout faire à partir de ta map galactique. Je joue essentiellement en map galactique. À un moment donné, là, plus tard, les seuls moments où tu rentreras directement dans les systèmes, c'est pour construire des mégastructures, pour voir des batailles. Mais comment je l'envoie qu'on se instinct si j'ai sélectionné, mais il part nulle part là. Ou voir les planètes se faire défoncer la gueule par un colosse. Ça dépend du vaisseau scientifique qui a été sélectionné pour l'anomalie. Tu sélectionnes une anomalie et que tu fais aller vérifier l'anomalie, ça peut très bien être un autre vaisseau scientifique qui va revenir. Ou de la matière noire. Bon, c'est vrai, j'ai déjà des chômeurs. Ah bah, crée pas l'emploi. Hein. Ouais, ah non, pardon, je suis con, ça marche pas. Désolé. Oh non, mais j'ai créé quand même. Psychologiquement, c'est une bonne excuse. Ça aide, ça aide. Construction ça. Complete. Construction complete. System survey complete. C'est pareil, j'ai du chum du là sur un nom. Non, moi j'ai toujours pas le chômage. Moi j'ai laissé traîner un peu mes pop aussi, j'ai fait exprès. Moi je fais rien là. J'ai fait une. Hey, entrée désynchronisée, c'est quoi ça? Non, random count, c'est pas grave. Ouais, Soji a été désynchronisé. À moins que. J'ai eu le même message. Soji, non, t'es encore là. Ouais, il est encore là. Le plus désynchronisé qu'il y a pour l'instant, c'est Maxime. Vivrant? Accord. Il est toujours là, Vivrant? Ouais, t'es en rouge. T'es en le 8 et en le 11. Moi, je vois pas en rouge.
Ah, moi, je te vois en rouge. Il clignote. C'est normal. C'est normal. Ouais, on dirait un arbre de Noël. Ça dépend de ta côte au monde, non? Ouais. Maxime, t'as quelques jours de retard. Eh non, juste 3. 1, 3. Voilà, j'en ai plus. Construction complete. Bien de consommation. Comment je fais pour augmenter ce truc-là? Des bâtiments sur tes planètes. On rappellerait qu'il faut pas appuyer sur la touche tab. Tab. Ah, moi j'ai ma pop qui a besoin de nourriture, ça me fait chier. La caméra s'amuse à faire des rollbacks, c'est de la merde. Ok, j'avais pas vu qu'on fallait construire sur les planètes, moi aussi là. Moi je suis en. Anomaly found. Je suis au-dessus de ma capacité administrative. Research complete. Construction complete. Faut que tu conquères un deuxième monde et que tu commences à faire des recherches pour avoir de la plus de capacité administrative, sinon tu prends des malus en recherche, en tradition et en coût des personnalités. Là faut que tu fasses des recherches d'augmentation de coût administratif, enfin de contrôle administratif, parce que sinon tu vas prendre des malus. Déjà là faut que je fasse des... Moi ? Juste des... Non moi. Ah. C'est rien. Parce que je suis à moins 20 en bouffe. Hein. Ah oui. J'étais à moins 2, je suis passé à moins 20 le mois d'après. Ok. Moi je suis à moins 0 en nourriture. C'est freeze ? Ah ça va. System survey complete. J'ai toujours Maxime un arbre de Noël. C'est correct. Bon, je vais arrêter de m'expandre parce que y a trop de trucs, ça sert à rien. Comment on remet la caméra par défaut? Y a pas de caméra par défaut là, à moins que ce soit le fait que t'es ancré modifier l'angle de vision, c'est ça? Je sais pas, j'ai appuyé sur tab et ça m'a complètement. Essaye la molette avant de des rollbacks. Tab en fait ça te remontre sur tes systèmes, sinon t'appuies sur M. M ou E pour revenir en galactique. Ouais mais non ça change rien. J'y ai pas accès en fait au M. Ah. Je sais pas si tu tapes. Essaye E. Construction complete. E? E ouais. Non ça change rien. Ah je crois savoir, est-ce que c'est comme si t'étais sur, en vue sur système et t'as par exemple le nom de ton système en bas? Ouais, j'ai un truc avec marqué avant-poste, ouais. Voilà, et ben clique sur la petite fenêtre où tu vois une galaxie. Mmh. Et c'est bon ? Ça t'a réglé ? Ouais, bon. Merci. C'est parce que t'as dû cliquer sur des flèches et ça t'a dû faire bugger, comme ça m'arrive beaucoup trop souvent. Pareil. c'est le seul moyen de débugger du coup le truc. Parce que t'as dû être sur une de tes galaxies et il y a les flèches sur les côtés pour les différentes voies que tu peux emprunter dans une galaxie. Ouais, et des fois ça cherche pas et du coup ça bug. Bon, je trouve personne là, c'est ennuyant. Hein. Ah bah regarde moi Mathieu mon gameplay. Tu veux que je fasse quoi? Tu m'as dit que pour le bien de consommation il fallait faire des maisons? Construction. Non, bien de consommation c'est une usine de bien de consommation qu'il faut que tu construis sur ton monde. En fait t'as deux niveaux, voilà. T'as deux niveaux de construction sur tes planètes, t'as les districts et les bâtiments. Ouais. Ouais, mais si je construis des regards, service, c'est chez dans les bâtiments. Du coup, j'ai fait ça pour que je shopping. Du coup, là, dans les bâtiments, en fait, tu peux créer une industrie civile, et c'est ça qui va générer des. Donc, là, regarde, là, je regarde, du coup, Mathieu. J'attends, du coup, que ça se développe. L'op ici. Ah, ok, merci. Nickel, bah, c'est ce que je fais. Du coup, là, je suis obligé d'attendre ici, et voilà, il faut rien faire pour l'instant. Merci.
We have discovered spacefaring alien entities that may or may not be intelligent, but let's face it, probably are. Non mais toi t'es pas intelligent Hugo, tu t'es pas rentabilisé dans ton truc. T'es con. Comment ça je me suis pas rentabilisé? Mais je suis coincé chez moi, il est. Mon alliage est plus 10, je peux pas faire. C'est parce qu'il a pas su gérer son alliage, du coup il est qu'à plus 10, et du coup pour construire un verran, ça lui prend 10 ans. Sauf que du coup il a des ennemis qui le bloquent. Construction complete. Et qui pouvait péter normalement facilement, vu que c'est qu'à 600 de puissance. Mais comme il est à plus 10 d'alliage, il est en train d'attendre. Qui peut faire des vaisseaux. Ah, mais Pomme, au secours. Ah, il y a de la rareté sur les recherches qu'on peut avoir aussi. Ouais. Oh, 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 je crois que j'ai trouvé un Uvran. C'est bien. Donc pour toi. Uvran. Oui. Est-ce que t'as un système qui s'appelle Xora? J'ai vendu mes pommes. Je crois que tu m'as quelqu'un aussi, des pommes. De toute façon, en tout cas, j'ai un contact alien en même temps. Non, moi aussi, j'ai un contact Xora, alien. C'est Xora, ça Jormundia, Chiselion. Oh, c'est toi. Colonization in progress. Chiselion, elle est à moi. Vous êtes quel côté de la galaxie? Est. Il y a des personnes qui sont vers le bas de la galaxie ou pas? Moi, je suis en bas à droite. Oh, fait chier. Research complete. J'ai un tout petit empire. Ah, ça va alors. Ah, c'est qui tout en bas à droite? Il y a écrit Alpha Alien. C'est un nouveau ça, non? Ça peut pas être moi, je suis coincé chez moi. Tu peux faire la recherche pour voir qui c'est. Tu vas dans le journal de bord et tu peux faire enquêter sur Alpha Alien. Journal de bord. Et comme ça, ça va te stopper ta technologie qui est en cours pour normalement la science sociale. Ça va te la stopper pour un petit instant, le temps que tu le découvres. Une fois que tu l'as découvert, ça va l'en... Bon, déjà, je vais arrêter les mecs qui sont en truc automatique, là. À savoir, ça te donne des influences, de l'influence ou des projets spéciaux de rechercher. Donc, si tu veux des bonus d'influence, ça peut être une bonne idée de rechercher. Pas forcément les laisser de côté. Si quelqu'un veut des pommes, n'hésitez pas. Toi et tes pommes, sérieusement. Moi, je t'avouerais, j'aimerais bien avoir des pommes. Pourquoi ils me disent attention là? Je comprends pas. J'ai là. Pas de pommes. Allô? Ouais. Pourquoi? Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Ah, mais c'était putain de vaisseau que j'ai croisé à Sirius plus tôt et qui m'ont attaqué. Quelqu'un me sait que je joue ou pas? C'est quoi Empire Cohesion? T'es sur Stellaris là? Pas encore. Ouf. Et quelqu'un peut me dire quel jour? Non, ça. Tu débarques, en gros, t'as ta planète de base et ton système. Et ensuite, tu fais des vaisseaux scientifiques pour aller un peu explorer les autres systèmes, les coloniser, récupérer les ressources qu'il y a dedans et tu t'expanses. Pas trop quand même, parce que si t'en as trop partout, bah ça va être la merde. Tu peux aussi améliorer sur ta planète le nombre de bâtiments, faire des usines pour augmenter tes différentes ressources, faire ta flotte. C'est ça de base. Sachant qu'on est tous dans le même univers, du coup, bah, on peut très vite se foutre sur la gueule. Qui c'est qui veut communiquer avec moi? C'est Uvran, ça. Il a fait téléphone maison. De toute façon, ça peut pas faire hasard, on est d'accord. Just as we have. I recommend a healthy degree of caution until we learn their intentions. Moi, j'ai tapé des gens, là. Ils m'ont énervé à me bloquer des débuts. Oh ça. Construction complete. L'Union européenne.
Qui est l'Union Européenne? Jura. Ah. Il a pas dit qu'il faisait pas Union Européenne. Normalement, il ne peut pas. Enfin, il n'est pas Union Européenne, justement, dans cette game. Research complete. Comment je fais du... de l'influence? Un bâtiment pareil? Influence, non. L'influence... Un monument autochtone, un monument, ça fait l'influence? Non, je sais pas. Non, ça fait de l'unité. L'influence, je crois que... Attends, je vérifie... Ah mais attends, il y a des icônes là-haut. Attends, attends, j'avais pas vu service, commerce, recherche... Construction complete. Mais il n'y a pas. L'influence, c'est le sixième en partant de la gauche. Le commerce. Attends, mais le sixième quoi? Le sixième, tout en haut. Dans la barre des ressources, ton influence, c'est le sixième en partant de la gauche. Ah oui, oui, non, ça j'ai compris, mais comment je l'améliore? Attends, mais c'est quoi ces conneries décrites là? Ah oui, voilà. Alors les décrets, c'est des trucs que les édits, c'est... Attends, t'es dans les décrets ou les décrets ou les édits? Les décrets, c'est dans les édits. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, les décrets, en fait, c'est des trucs qui te permettent de... qui te coûtent les ressources que tu as écrites à droite pour améliorer tout ce qui est décrit sur la gauche. Dès que tu la coches, tu l'as payé automatiquement et ça dure pendant, par exemple pour moi, 11 ans et 6 mois. Ouais, c'est un bonus. La plupart du temps, c'est 10 ans, quoi. C'est un bonus, en fait, qui dure un certain moment. Pour gagner de l'influence, c'est avec les factions qui se forment dans ton empire. Ou sinon, en déclarant des rivalités sur d'autres... Dans politique sur d'autres empires. Ah non, il y a un bouton faction. Non. Alors, les factions ne les adoptent pas, mais normalement ça te dit en fait plus tu vas avoir de factions, plus tu vas avoir de conséquences en fait sur ton influence. Pour voir tes factions, c'est dans ton gestionnaire, dans ouais, le truc qui est à droite, tout en bas. Pour augmenter l'influence qu'elles te donnent, tu dois essayer de faire leurs exigences. Mais des fois, disons que les exigences sont pas très intéressantes pour toi. Donc encore une fois, tout est une question de qu'est-ce que ouais, tu veux ouais. Pour... Ils se débrouillent politiquement. Research complete. Moi, généralement, je les laisse de côté, les factions, je m'en branle. Honnêtement, si tu veux booster ton influence, c'est pour le début, mais vers la fin, t'en as rien à foutre, t'es pratiquement tout le temps à 1000, quoi. Bon, on va faire un bâtiment pour manger. McDo. On peut? Moi je peux. Toi tu peux pas. Moi une ferme hydroponique. Une firme, je suis une firme, donc en fait là par exemple j'ai créé une industrie militaire civile chez Uvran. Ah, il y a un nombre max de bâtiments. Oui. Research complete. Ah, ça annonce stagnante. Putain de merde. Bon, vas-y, je vais laisser ça se tourner tout seul. Alpha Centaure, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire chez toi? Déficit planétaire, ok. Ah bah, tu vois, l'ascendance stagnante que je viens de croiser, là, pas le fun. Gardien du savoir. Très bien se dire qu'au bout d'un moment, il va venir éclater la gueule du monde. Et c'est pas le fun. Moi, je veux des conservateurs, puis je leur ai pris un surtout. Après, par contre, mon fun, du coup, c'est que lui, il me ferme l'accès à mes systèmes. Du coup, j'ai clairement accès à la merveille juste pour moi. Research complete. Donc, dès que je vais avoir fini ce code, je vais aller sur la singularité. Et dès que j'ai la singularité, tout est à moi.
justement de vaisseaux qui dorment. Et j'ai un endroit où j'ai la liste de toutes les anomalies que j'ai. Oui. Où ? Oui. Dans ton journal de bord. Ou F2 si tu préfères. Ah, merci. Tu peux même y voir qui est plus proche de la victoire entre les joueurs, IA et tout ça. Mais uniquement entre ceux que tu as de, que tu connais déjà. Très difficile. Alors moi, il y en a un qui est à 27122. Je pense que c'est un empire déchu. Possible. Ouais, non, j'en ai deux. Chez moi, il y a une personne qui est premier. Ça te va comme l'empire déchu. Vous êtes à combien, ouais, comme ça? C'est où pour regarder quoi? Appuie sur F2 et tu peux envoyer tes vaisseaux scientifiques dans les différentes anomalies. Mais pas toujours avec toi, les petits pépés. Du coup, vous en êtes où en ce temps, les gars, après. Dans le score, vous en êtes où à peu près? On voit ça où? F2 victoire. En bas, t'as journal de bord. Je suis 11ème. Je suis 6ème. Je suis 21ème. Ah, je suis 6ème! C'est Laurent. 12. Je suis 18ème. Ah non, je suis pas du tout 6ème, je suis 22ème. Ah, t'es juste en dessous, moi, le. Ah non, je suis 22ème. Que... Faut savoir que les empires déchus font partie du classement. Hein. Ouais, moi l'empire déchu qui est à ma droite, il est premier. Ouais, moi aussi elle est en bas. J'ai Blue Garden. Attends, on peut pas avoir deux empires déchus premiers ici? Bah si. Bah si, ils sont égales. Ça veut dire qu'il y a une certaine régularité dans les empires déchus. Ships upgraded. Les 5 premières places doivent être et les 5 moi j'ai le 2ème et 4ème avec moi. J'ai le 2ème et 4ème avec moi. Enfin, que je connais moi en Empire déchu. Voilà. Où je suis allié. Ah, allié. Non, pacte de commerce et tout. Toléré. Ouais, c'est ça, j'aurais. Il tolère mon existence. Colony established. Et du coup, j'ai une IA en dessous de moi. Je suis pris en sandwich entre les empires déchus et une IA. Il est où mon vaisseau de construction? Il est là. Il est là. Réparation d'un chantier spatial automatique. Automatisé. Ouais, soit ça va te construire un vaisseau qui va être agressif, soit ça va te construire un vaisseau qui va être pour ta flotte. D'accord. Mais c'est plus généralement un vaisseau qui va être pour ta flotte. Ok. Tiens, d'ailleurs, j'ai deux portails désactivés autour de chez moi. Alors j'ai un système qui s'appelle TU et l'autre URN où il y a les portails. Ce que je prie, c'est que pour j'ai un système chez moi, j'espère qu'il y en aura un qui pourra contenir une méga structure sphère de Dyson. Parce que je n'ai jamais eu de système qui peut le contenir. Ouais, les sphères de Dyson. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, les sphères d'Aizen. Ouais, c'est une grande histoire. Alors, bon, moi j'en ai... Le pic, c'était dans le négatif, store. J'en ai déjà un et ça me va très bien. Terraform avec quoi? Avec un terraform. Avec des petites mains. C'est un peu plus tard dans le jeu. C'est des recherches que tu vas débloquer petit à petit. Et si tu débloquais cette recherche, justement. Tu cliques sur une de tes planètes, tu cliques sur Terraformer. La planète doit être sur ton territoire. Ok, merci. Tu peux terraformer une planète sur laquelle tu es déjà. De savoir que si tu la terraformes, si tu réussis ta terraformation, en fait, t'as tous les modificateurs de la planète qui dégagent.
modificateur négatif, en gros, tu récupères absolument l'intégralité de la planète sans avoir besoin de virer les modifs. Les et donc, c'est sympa. Voilà, par... D'ailleurs, j'ai une glacière de 25 cases, tu vois. Elle, j'attends d'avoir le 5000 en... Je crois que ça a bugué mon jeu. J'ai cliqué sur une petite flèche pour passer du système au système et... Oui, alors justement, c'est ça. Le nom de ton système en... D'accord, t'as toujours le nom de ton système en bas. Oui, Beer, système minier. Voilà, il y a une petite icône avec la galaxie, tu cliques dessus. Ok, merci, je vais voir ça. Ah, Shoji. T'es où ? Juste au-dessus de toi, à gauche. T'as découvert d'autres mondes à part moi, Huron, ou pas ? Ah ouais, ah mais c'est avec toi que je me suis allié ? Non, j'ai découvert que toi, JP. C'est avec Pomélié, je sais pas, bah écoute, pourquoi je te vois d'un coup ? Parce qu'on vient de se découvrir. Ah bon ? Oui. Incoming transmission. En gros, quand t'as un contact entre deux civilisations, il y en a un qui doit faire la recherche pour transmettre la langue de l'autre. Et quand l'un des deux personnes a fini cette recherche, en fait, tu vois tous les deux, tu vois tout de suite l'empire de l'autre. D'accord. Normalement, Shoji, je t'ai envoyé deux demandes qui devraient apparaître juste en dessous de ta barre de ressources. Ma barre de ressources, ouais, proposition de machin chouette. Voilà. T'es moche ? Okay. J'hésite d'un coup là. Quel génie. Oh là là. Bon allez, je vais pas faire mon raciste. Tu ponds des œufs ? Les questions. Le t'es moche pour les œufs. Oui. Yaf. Par contre, j'ai accepté, mais ça veut pas. Ça veut pas dire qu'on va prendre des œufs ensemble, hein. Non. Je te le dis, moi. Ah non, 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 non. Fait qu'on va pas te faire déprimer par certains humains, parce qu'on sait jamais. Aïe aïe aïe. Pomelo ? Oui. T'es de quel côté de. Tout à fait. La galaxie ? En bas. Hey go. Ça petit être d'une lumière, tu vas aller en bas. Ok. On va faire un accord. Non, ça me dit que tu l'as pas accepté. Mais j'ai cliqué. Non, ça me dit que t'as refusé. Mais c'est quoi ce délire ? Il y a Maxi. Non, non, j'ai spammé le activer là. Attends, alors, attends, je te renvoie un par un. Pas quelque chose, ça a bugué parce que je t'en ai envoyé. Incoming transmission. Voilà, je t'en envoie. Là, je clique, je fais accepter. Voilà, le live au cas où, voilà, hein. Accepter. J'ai pas reçu la confirmation. C'est clic gauche, clic droit, il a disparu le truc. Non. Clic gauche, clic droit. Enfin, bouton accepté, là, je l'ai cliqué dessus et il se passe rien. Quand je clique sur accepter, la fenêtre se ferme. Mm-hmm. C'est normal ça. Bah, la preuve que non, ça a refoiré, je crois. C'est bizarre. Moi, j'ai rien reçu pour l'instant. Ouais, bah, ça veut dire que c'est bugué, il faut que. Relance. Ah, attends. Super. Attends. Incoming transmission. À moi, le jeu est bug, mais après, moi, je. C'est peut-être dû à la désynchronisation. Écris un message dans le chat, Shoji. Non, là, là, j'ai reçu, là, par contre. Bon, bah, écoute, on va pas écrire un message, sinon je sais pas c'est quoi là. C'est tout le temps comme ça. Ah. Ouah, mais tu parles de d'un monde, toi, aussi. Voilà. Il nous parle de très très loin. Ah. Incoming transmission. Et Barmachus. Ah ouais, c'est ça, un nom de système, ça.
Voilà, c'est bon, j'ai reçu du deuxième. Voilà. C'est bon, ça marche. Ça a l'air juste de prendre un peu de temps. Ok. On va rendre Mechazur et Razors, plus ça va, plus ils commencent à être un peu... Moi j'ai des flottes hostiles partout, j'ai tous fait péter la gueule, mais donc j'ai une flotte. Ah bah enfin, écoute, quoi ? Mais chut, ouais, pourquoi tu parles ? C'est Torbakari. Oulou, j'ai découvert un truc de l'autre bout du monde. Pourquoi il marche pas quand je clique sur enquête ? J'ai choisi mon scientifique, je fais enquêter, il veut pas partir. Le scientifique il veut partir ? Il veut pas, mais non, il veut pas y aller enquêter. Le bouton, je spam dessus, ça marche pas. Bizarre. Alors c'est où l'anomalie, où le système où est l'anomalie est inaccessible. Ou il y a quelqu'un qui l'a fait déjà. Voilà, c'est ça, ça peut être soit qu'elle est inaccessible, soit qu'elle fait... soit du coup t'écris enquêter et t'as vérifié que c'était bien le même scientifique parce que t'as plusieurs scientifiques, je suppose. Ouais, ouais, j'ai pris celui-là qui fout à rien. Construction complete. Bon, bien, c'est pas grave. Est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose ? Non, peut-être qu'ils sont bloqués par une flotte, des fois c'est bloqué. Là, par exemple, j'ai un système où ils veulent pas aller prendre leur état de navigation, ils veulent pas y aller. Zach Plot, Curator Order. Oh, ils sont où ? Ils sont où les curateurs ? Ah, ils sont pas heureux, les gens. Merde. Il va falloir qu'on fasse front commun pour effacer le mec Azur avant qu'il devienne gros. Tu es qui? Je te connais. Pourquoi qui c'est? Le mec Azur. Je vois pas où il est. Le robot juste à ma gauche. Ah oui, bah alors attends. Des infos là, communication et un capteur. Oh oui, putain, exterminateur déterminé, effectivement. Construction complete. Un très bon souvenir hein, des exterminateurs déterminés. Ah non, c'est putain, des. Putain, y'a des gens. Les dessins dévoreurs sont un mauvais souvenir. Si je te crois, je t'enverrai. C'est qui? Ah, c'est un empire des chutes, je vais pas le buter tout de suite. Et moi, pourquoi moi? Oh, par contre, à côté de l'empire des chutes, un compresseur de matière. Compresseur de matière, c'est trop noir, ça met masse minerai. Ouh. Juste à côté de l'empire des chutes. Par contre, c'est juste à côté de l'empire des chutes, je sais pas s'il va aimer si je prends. Il s'en fout, là. C'est une structure détruite, donc il s'en fout. Ok. Bon bah je vais te la prendre hein, monsieur Pierre Déchu. J'espère qu'on va bien s'entendre parce que voilà quoi. Ah, moins 20. Il est xénophobe. Ah. On va pas très bien s'entendre. Vous êtes pas fait pour vous entendre. Ce qui est bien, c'est qu'au moins personne peut venir de là où il y a l'Empire Déchu parce que c'est là où il est. Putain, j'ai la flemme de m'étendre encore, putain. Donc maintenant, faut que je m'étende sur la droite. Situation log updated. Et ce truc, c'est la sphère de Dyson version minerai, c'est ça? C'est ça. Research complete. Ouais, je préfère quand même la sphère de Dyson, mais... quand même. Par contre, l'Empire des Chutes juste à côté de chez moi, ça fait quand même un peu peur. D'un côté. Eh, ma flotte, va les détruire là, parce que c'est pas qu'ils sont chiants. Ah, mais c'est un. C'est des espèces de. C'est pas des vaisseaux aliens, c'est des espèces de.
petits poulpes qui se baladent dans l'espace. Les amibes. Des petits poulpes. Bah oui, c'est des poulpes, hein, je suis désolé. Ouais, moi j'ai des poulpes dans l'espace. Ah oui, ils sont chiants, ils m'ont bloqué là. Je vais leur casser la gueule. Mais ils sont pacifistes, ils font Non, ils sont pas pacifiques, ils sont... Déjà, d'une, si ils peuvent le devenir, si tu fais des recherches sur eux, tu peux les neutraliser et du coup récupérer la coque régénérative, ou décider de les attaquer comme un gros débile et tout récupérer. Mais tous ceux que tu croiseras viendront te dégommer la gueule. Récupère tout, c'est que des poulpes. Cette logique à part, on récupère tous, c'est des poulpes. Entre les piafs et les poulpes, c'est bon, tranquille, l'espace. Je me sens visé. Nous avons là un xénophobe. Non. Je l'ai pas marqué. Je l'ai bien caché normalement. Le fameux gars qui dit je ne suis pas anti-race, mais... Dès qu'il y a un mais, de toute façon. Il n'y a pas de mais. Mais Research complete. Par contre, du coup, j'ai découvert que de la galaxie. À part mon empire, j'ai rien découvert d'autre. Putain, je produis trop... Je suis trop riche. J'ai mes capacités de stockage qui sont pas assez. Bah, vends les idiots. Non, sinon sur ta planète, tu peux faire un bâtiment qui augmente ton stockage. Oui, sur la planète ou sur les ou sur la base stellaire. Ouais, mais c'est déjà fait. Cliquer sur la base stellaire. Sur la base stellaire, tu peux mettre des choses, plein de choses. Des silos de stockage, des académies de flotte, des brouilleurs. Tu peux mettre des trucs. Ah ouais, il y a le système de défense et tout. Yes. Ah mais la première du coup est déjà faite. Ok. Construction complete. Construction complète. Ah pareil. J'ai construit quoi là? C'est pas grave, c'est construit. Je recherche quoi moi? La diplomatie ou pas? Mais j'ai rencontré personne pour l'instant. Complete. Ouais, la diplomatie quand même. Déjà je pourrais faire ami direct. Trahir après. Ah non, j'ai une plante. Je vais pas trahir sauf s'il fait des mal au fait. Ah mais j'ai pas vu sur les panettes aussi, t'as les différents zombies en dessous. Oh, y'a trop de trucs à faire, j'ai pété un boulon. Si c'est une limace ou un truc du genre qui mange les feuilles, ok, là je pète la gueule. Par contre, si c'est un oiseau, bah je vois pas pourquoi je pèterais la gueule. Construction complete. Les oiseaux, justement, ça mange les limaces et tout. C'est bien les oiseaux. Les humains, je sais pas. Bon, en fait. Les humains, ça fait pollution et tout, donc je sais pas. Moi j'aime plus un robot. Bah, le robot. Ah, déjà, vous avez arrêté de taper sur les humains parce qu'ici il y a qu'un seul mec qui joue les humains et c'est moi. Donc, hein, non, il y a moi. Non, il y a Shoji aussi. Bah voilà, donc vous arrêtez de nous taper dessus. Oui, il y a Shoji qui tape bien sur les piafs. Non, mais aussi t'as un piaf. Les piafs, c'est ce qui est à Paris, les espèces de pigeons qui bouffent du blé. Forcément qu'on vous tape dessus. Putain, il y a encore une flotte hostile. Je fais 2 mètres, il y a toujours des flottes hostiles quoi. On pourra peut-être faire des flèches avec les plumes, comme tous les bons jeux de survie. Oh, vous êtes hostile, que les bons, putain, rien fait, bande de trucs. Si, bien choisi, on va me déplumer. Bande 2, vas-y, ose. T'es quoi, toi? Un calamar? Bande 2. Voyons si on peut leur trouver un usage militaire. C'est le mec qui trouve des nouvelles bactéries et tout ça. Ouais, ouais, on va essayer de faire des armes avec. Moi, ouais, j'ai déjà eu la recherche sur le continent.
plus grand, t'as vu que du coup t'as un plus 3 d'alliage qui vient de ma firme que j'ai mis chez toi. Mon industrie militaire privée. Non, j'ai pas fait gaffe, je vais pas te mentir, j'ai pas fait gaffe. Bien, tu as ça. Je trouve que des IA. Bah, moi j'ai trouvé qu'un empire déchu. Et mon empire. Il y a 2 centimètres de mon empire d'ailleurs. D'ailleurs, je dois me coller à l'empire déchu si je vais avoir mon compresseur de matière. Mon décompresseur de matière. C'est bon un trou noir? Ouais, j'en ai 2. Moi j'en ai 1. Moi j'en ai 2 et j'ai 2 portails. C'est bien. Dont est-ce que tes portails sont au milieu de ton empire à côté de ta capitale? Non, ils sont à l'extérieur. Oh merde. Je devrais bientôt en ouvrir un. Hein, oh cool. Ce sera plus facile à venir t'attaquer. Des pros 50 syndicats. Eh, il s'appelle comme moi. Sauf que c'est un syndicat criminel. Super. C'est pas du tout la même race que moi, mais bref. Est-ce que j'ai mes scientifiques qui dorment tous? C'est pas normal ça. Je crois qu'on est payé pour faire quoi là? Ils sont pas payés. Mais j'arrive pas à les envoyer enquêter quelque part. C'est con ça. C'est vraiment parce que sur les lignes qu'ils peuvent franchir, tu dois avoir des ennemis qui les empêchent de passer. Est-ce que quelqu'un connaît Wima? Je peux faire des élevages d'amibes. Des élevages d'amibo. Je sais pas que tu peux faire des vaisseaux comme ça. C'est trop long, je vais faire un vaisseau. Quelqu'un est proche de la nébuleuse Wimar Drift. C'est des chasseurs. Wimar Drift. C'est quoi la différence? Oui, moi. Ah, les mondes arctiques, je peux rien faire. Pourquoi je peux pas lancer mon vaisseau à construire? Mais il y a tout qui est cassé sur mon truc ou quoi? On en parle? Il a tout cassé. Il a tout cassé. Ouais, ouais. Faut relancer? Bah, I'm here. Commande plutôt, j'arrive. Amir, commande plutôt. Putain, mais ça va me rendre fou là. C'est dans ma base. Bah, je clique sur vaisseau construction, ça veut pas construire un vaisseau construction. T'as l'air sur spawn? Bah oui. Ouais, spawn, clique pas parce que sinon tu vas en avoir 80 qui vont popper, tu vas rien comprendre. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre en pause, tu relances. Putain. Pareil, le truc d'enquête marche pas non plus. Nice. Non, mais c'est normal, c'est parce que t'as eu une des synchros tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui engendre des. Bon, bah je quitte et je reviens, c'est ça? C'est ça. Faut sauvegarder? Non. Non, non, aucun problème. J'ai chargé la sauvegarde encore. Y'a que moi qui ai besoin de te sauvegarder. Devinez qui est en rouge? Vivant. Ah, je suis le. Ah non, y'a go. De quoi? Je fais quoi? Ah. Hein. T'es suspect. Tu fais quoi? Ah non mais. Qu'est-ce que tu veux à Wimar Drift? Ah. C'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est en attente du joueur, c'est normal. Bah moi je le suis pas. Mais oui, c'est Shuji, rejoins, vous êtes des boulets, vous. Putain, bon, viens quitter, rejoins. Oh, les boulets. Ah, je vous cherche, ça m'en fout. Et ça, ce truc-là, ça conquiert l'espace, non, c'est une blague. Je te jure. Déjà, quand on met un pied à faire un calamar, voilà. C'est un renard. Un renard. C'est qui le calamar? C'est qui le renard? Ça dépend si c'est l'espèce de. Si c'est le robot pieuvre et. Mais c'est un calamar? C'est compté comme un calamar? Le robot pieuvre? C'est une méduse, tu joues non sur les mots. Tu joues sur les mots. C'est Hugo le calamar. Mais je suis pas un calamar, j'ai une feuille.
Putain, c'est quoi ces races de merde là? Une feuille. Oh là là. C'est pour ça que j'ai fait. Qui bouffe les feuilles. Et ça donne de l'engrais. Matt, je crois que t'as abusé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mis beaucoup trop de neuf. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis là, moi, Laurent, si tu peux relancer. Non? Comment je relance du coup si c'est moi là? Bah, t'inquiète pas, c'est Yvan normalement. C'est Yvan l'autre. Oh, c'est moi, mais y'a Maxou qui voulait qu'on l'attende. Ah, je vais chercher quelque chose d'abord pour l'instant. On va manger. Faut ne toucher pas au bouton pause. Merci. Pas touché. Les recherches elles sont aléatoires. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est ça que je me posais comme question. Quand tu choisis les trois recherches, après c'est aléatoire pour en avoir d'autres ou pas ? Gars ? Oui, les recherches c'est aléatoire sauf si tu fais des trucs spéciaux pour avoir des recherches précises. Moi ça me saoule parce que j'ai. Au niveau militaire, c'est genre j'ai toujours des corvettes. Yes, si, c'est Mathieu Spinella la dernière fois pour ça aussi. Mais du coup, c'est. Le truc, c'est qu'on est. C'est qu'on est. Assez éloigné, quoi. À ce niveau-là, normalement. Oui, bah, te plains pas, parce que moi, tout ce que j'ai, c'est des destroyers, et ça me suffit largement pour défoncer. Enfin, non, ça me suffit pas du tout, même. Mais dis-toi que j'ai tellement de trucs à défoncer la gueule près de chez moi en ce moment. Ah, Jude, t'es là? Vous voulez venir aussi, je crois, non? Il est full mute, hein, donc il risque pas de t'entendre. Mais j'ai encore une demande d'alliance avec Pomelo. Rebonjour. Salut. Oula. T'es, j'ai failli t'appuyer, t'éteindre l'ordi, monsieur. Donc. Research complete. Et Matt, il veut quoi, ou Marvus? Ah, mais t'es encore là-dessus? Eh, hey, je suis juste. Tu peux déplacer le calcul, s'il te plaît? Ouais. Ouais. Bon, bah voilà, je suis plus cyborg. Eh, hey, casse-toi, en mode sérieux. Il m'a saoulé, ça y est. Il m'a vraiment pété les couilles, là. Putain. Bah, je suis bloqué. Attends. Parce que je suis en live, je coupe le micro. Rien à foutre. Ouais. Merci Indriel. Non, je vais pas répéter plus, c'est juste je le crois bien parce que. Voilà. Non, mais t'embête pas, refais ton live, j'ai plus pensé que t'étais en live. Ouais, mais t'auras plus la motive de jouer là. Yet another impediment to our galactic ambitions has been dealt with. That tile blocker never stood a chance. Bah, on en parle tout à l'heure. Ouais, t'inquiète. T'es sûr que ça va? Special project complete. Construction complete. Special project complete.
Non, je peux terraformer Mars. Oh, ça coûte tellement cher. J'ai rien terraformé. C'est surtout méga long. Moi, j'ai terraformé un truc parce qu'il me donne 22 districts. Vous avez fait du terraformation, vous? Ça coûte 10 000 ouais. De... Putain. Ah non, ça dépend. Moi, j'ai terraformé un truc qui ça me coûtait que 2000. Ben, Mars, vu que c'est 0%, c'est 10 000. Terraformation, oui, 0%, tu m'étonnes. J'ai déjà lancé une. Ouais, j'ai déjà lancé une terraformation. Ouais, j'en ai lancé une, mais ça fait déjà 45 minutes. Hein. Putain. Ça prend du temps. Elle est pas encore finie. Bientôt, mais pas encore. 3600 jours. Hein. De jeu en jeu. Donc ça prend 10 ans, quoi. Et ça fait que 8 ans qu'on a commencé le game. Ça, j'en ai une, je l'ai lancé il y a pas longtemps. Fait quoi, on accélère un peu la vitesse ou pas? On peut accélérer, je pense, 35 jours. C'est ce que je demande depuis le début. Mais... Ouais, non, mais il y en a... c'est peut-être qu'on se mette dans le bain aussi, mec. Non, t'es dans Maxou... la merde. Maxou va pas suivre. Bah, alors, on reste normal. Bien sûr que je dois suivre. Le problème c'est qu'en fait plus tu augmentes la vitesse, plus ton taux de désynchronisation possible en fait va augmenter quoi. Donc. Ah oui d'accord. Construction complete. Comment je peux régler le problème? Une connexion plus rapide? Ouais. Bah ma connexion est déjà supposée être rapide. Il y a un problème. Ça dépend en fait de ta connexion au serveur, de ton PC aussi, ça dépend de plein de choses. C'est peut-être le PC le problème. J'ai tellement hâte de m'acheter mon nouveau portable. J'ai déjà genre 2300$ d'accumulé. Un truc de la NASA. Oh Pépéro. C'est Hysteria. Enfin un joueur. Ah non, c'est pas Hysteria. C'est qui? Ah oui, c'est ça. Je vous découvre tous. Il est où ce con? Ah, il est là. Je suis le seul mec paumé qui ait découvert qu'un empire déchu, quoi. Comment ça, ST-XT-480? Matt, tu m'as découvert. C'est Hugo qui parle. What? Non, Matt m'a découvert. Ah, t'as commencé sur une sur un monde Gaïa. Ouais. C'était sens. Ah et putain, t'as du bol toi. Non, c'est qu'il a fait. Il y a un truc de départ qui permet de commencer sur des mondes Gaïa. Non mais j'ai deux mondes Gaïa de départ en fait. Mon deuxième monde que j'ai colonisé, c'est un Gaïa aussi. Oui, non, mais enfin, t'as un monde Gaïa de départ, et puis t'as eu la chance de tomber sur un deuxième monde Gaïa qui ouais, mais par contre, tous les mondes autour de moi, je peux en coloniser aucun en fait, j'ai que ces deux-là. Bah oui, parce que t'es une population qui ne peut vivre que sur les mondes. Non, je peux vivre sur les autres, mais. Normalement, t'es à 0% au début. Ouais, y'a que les Gaïa et les tropicales. Attends, là, ma terraformation c'est fini et j'ai pas la planète? Non, là, tu terraformes juste la planète, tu la colonises pas. Faut que t'en aies un vaisseau. T'as la coloniser maintenant, mais une fois qu'elle est terraformée, de toute façon, c'est ça quoi, enfin elle est prête donc tu peux y. Est-ce que de la vue galaxie on peut voir ce qui n'a pas été. Tu sais, on n'a pas fait de mine dessus là, une station minière? Ouais. Oui, tout ce qui est en quand t'appuies sur Alt, tout ce qui est en vert, c'est pas utilisé. Tout ce qui est Tu perds tellement de temps, mec. T'imagines même pas depuis tout à l'heure à me balader sur les trucs. Moi, j'ai pas besoin d'appuyer sur Alt. Je les signe. Tu passes ta souris sur les trucs aussi, mais effectivement Alt c'est mieux. Mais sinon, tu peux l'activer par défaut, comme dit Pomelo. Tu peux. Moi, j'aime juste pas parce que ça pourrit la vue, quoi. T'en as vraiment partout après. C'est vraiment la misère. Ouais. L'IA qui est à côté de toi, même pas du tout. Salut, Sloji. Le mec Azur. Salut, qui c'est, salut. Ah ouais, d'accord. C'est toi. Wimar Drift, oh putain.
Je sais pas, le monstre. Eh, le piaf, tu veux pas attaquer à droite? Non, oui. Vol de tes propres ailes, Pomelo. Sonne d'une rose. Le mec azur, c'est un truc qui veut éliminer toutes les vies biologiques, mais... donc c'est logique qu'il nous aime pas. Ah. Parce que tout ce qui est biologique, il veut l'exterminer. C'est un exterminateur. Éterminé. Éterminé. Je fais le petit pitch. Les exterminateurs sont des intelligences mécaniques qui considèrent toutes les formes de vie organiques comme une menace intolérable pour la galaxie. Ouais, c'est pas faux. S'ils peuvent coopérer avec d'autres machines, il est peu probable qu'ils aient le moindre contact avec les empires organiques, sauf lorsqu'ils tenteront de les annihiler. Ah. Donc, Mécazur, pas gentil. Ils peuvent rouiller. Par contre, c'est normal que genre mon écran d'échange avec toi est totalement buggé. Moi ? Construction complete. Ouais, genre en fait, tu sais, genre quand je fais ressources stratégiques, genre ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je sais pas. Je ne peux point te le dire. Non, pas de nourriture. Du coup, faut que je spam clique en espérant tomber sur la bonne ressource. Bon, ça, tu veux quoi, toi ? On est où ? T'as cru que je commerçais avec les plots, moi ? On est où ? On a pris pour quoi ? Avec les plots. Les plots. Ça dit rien, les plots. Ce que tu mets par terre, là, quand il y a un accident de route. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'est con, mec. Pourquoi il dit ça, genre ? C'est une expression. Ça fait pareil. Un plot, si tu veux, c'est quoi, c'est une sorte de loser. Pour ça qu'il dit qu'il commerce pas avec les losers, en gros, si tu préfères. C'est dit, mais... Ah ouais, mais je trouvais pas d'autres mots, je sais pas, moi. C'est un peu moins fort que loser, peut-être, je sais pas, alors ça... Ouais, un peu moins fort que loser, mais en gros, c'est ça, c'est... C'est un mec qui comprend pas tout à fait tout, tu vois. Un bouffon. Qui me veut. Alors, proposons de conclure une convention de recherche. Mais bien sûr, qu'est-ce que t'as à offrir pour ça? Moi j'ai un truc à te proposer. Ma bite et mon couteau. Alors. Merde. Construction peut pas. Ah. Zut. Bon, ça sera pour plus tard. Attendre que j'ai un petit peu plus de flotte que ça. Pourquoi je vois qu'une seule base stellaire? Je suis censé en avoir plusieurs. Tu veux faire quoi, me déclarer la guerre là? Non. Non, pareil. Je vais te proposer un accord de recherche, mais tu devenais une de mes filiales. Parce que les bases stellaires, si tu veux, par rapport à ce que tu construis dessus, elles se spécialisent. Des chantiers spatiaux, avant c'était des bases stellaires, mais quand tu as construit des chantiers spatiaux dessus, c'est devenu des bases. Mais j'ai rien fait. De construction. Celle de base, celle que t'as sur ta capitale, c'est déjà un chantier spatial. Mmh. Et si tu regardes, tu as une seule autre base stellaire sur Alpha Centauri. D'accord. Merci pour ton follow, Small Streamer Promo, t'es peut-être un bot, toi, par contre. Construction complete. C'est jamais si un joueur, d'ailleurs. Faut une personne, plutôt. Pas spécialement un joueur. Ah, ça a été pris là. C'est quoi ça, mes robes? Il y a des gens là-bas. Mais où? Des gens là-bas. C'est toi? Ah non. Mm-hmm. Moi je suis paumé, j'ai rencontré personne. Non, c'est. C'est toi, Major? Mais pourquoi c'est pas en rouge? Parce que c'est pas ni. C'est pas à moi. Ah, c'est un. Ok, vas-y, j'envoie ma flotte. Comme par exemple, moi à. À un endroit dans mon territoire, il y a les conservateurs. Tu m'ouvres des frontières, Manichor. Pourquoi tu. Je peux attaquer la cible direct? Non, t'as peut-être pas quand même. Non, je ne peux pas, c'est une agence. Donc je fais quoi? Je fais enquêter? Tu fais ce que tu veux. Après, je sais pas. Jamais vu les tirades. On verra plus ce tard. Qui est ce qui est sûr, Major, c'est que comme tu m'as fermé les frontières, j'ai mon vaisseau qui a fait disparition de la circulation et qui est retourné à ma base. Du coup, je dois tout redescendre.
Moi, c'est ton colère. Construction complete. Mais en fait, vous êtes tous rencontrés. Je suis le seul mec paumé que personne n'a rencontré. Non, mais en fait, moi, je fais mon vaisseau exploration et piou. Après, est-ce que quelqu'un a envie de te voir aussi? Excuse-moi, mais bon. On te cherche pas spécialement non plus, hein. Par contre, moi et mon frère, on va devoir arrêter. Ah. Encore un peu le temps, non? Non. God damn it. Putain, j'aurais fait quoi? Faut stopper? Voilà, les gars. Ouais, on peut encore attendre un peu. Non. Un tout petit peu. Non, il veut, sinon on va se faire engueuler. Mais non, ça va. Oh, c'est si, bon. Si, tu vas te faire engueuler, demain tu pourras plus jouer. En plus, c'est les vacances, ça serait con quand même. Ouais. Eh oui, l'heure, c'est l'heure. Et c'est même pas l'heure, c'est juste... Oh, t'arrêtes, tu vas te laver les dents et tu te couches. Oh. Pas possible. Research complete. Non, je déconne, fais ta vie, mais bon, si c'est pour te faire niquer tes heures de jeu demain ou les autres jours, c'est un peu con, quoi. Pour gagner 10 minutes ici. C'est quoi toute cette proposition commerciale, la merde? Je crois que j'ai loupé le truc du piaf. Accepté. Attends, tu veux quoi? Construction complete. Le truc du piaf. Regarde, le capteur. On est juste copains, c'est ça? Vas-y, accepté. Oh, c'est quoi ce gros truc que j'ai accepté? Has established communications. C'est en gros, tu vois tout ce qui est mal. Oh non, Pomelo. C'est Hugo. Non, pourquoi? Oh non, Shoji. Alors, ce que tu as accepté, c'est... Les communications, c'est... J'ai partagé les communications avec toi et toi avec moi. C'est... Oh tous non, les empires que tu connaissais, Pomelo. Je les connais maintenant. Et tous les empires que je connaissais, tu les connais. Ok. Et le lien de capteur... Pour moi, ça marche aussi. Enfin, les trucs à moi, tu les connais. Pomelo has established communications. Attends. Ah, Matt. C'est... Non, Hugo. Il est où, Matt? Oh, non, Hugo, il est là-haut. Mais comment ça se fait qu'on soit quasi tous là? Non, mais regarde, moi depuis le début, je suis coincé là où je suis. Ah ouais, Matt, il est... Laisse tomber. Ah, Matt, t'es à perpète. Ouais. Et ouais. Dites-vous qu'il est allé jusqu'à chez moi. Motivé, hein. Motivé. Motivé. Ah, mais oh non! Oh non! C'est là où je... Depuis le début, je suis coincé à cet endroit. Oh non! Il y a des trucs qui ressemblent à des bugs. Comment je les fais pour les activer, ces trucs-là? Tu sais, on dirait du ma valeur commerciale. Comment je fais? C'est la valeur commerciale de l'endroit. Et comment je l'active? Parce que le bot, il a joué 2 minutes à ma place, il a activé tous mes trucs commerciaux, mais maintenant que j'en ai des nouveaux, je sais pas comment l'activer. Oh là là, attends, c'est quoi tous ces trucs? Il y a trop de chez moi parce que j'ai pas encore sécurisé mon méga structure. Donc. Pour l'instant, on va pas toucher. Voilà. Les bagues, je me souviens plus. S'il faut juste une base stellaire dessus ou s'il coupe faut une route commerciale, je crois, mais je sais pas comment. Oui, c'est ça. En fait, c'est dans la base stellaire. Construire après... un carrefour commercial dans le rayon de collecte et le connecter à une route commerciale. Comment je construis ça? Putain, mais pourquoi j'ai trouvé un là qui me découvre et qui. Dans ta base stellaire. Avec tes stations. Dans tes modules. Tu as carrefour commercial. Oh, mais il n'y a pas de place dedans. Ah, faut que je l'améliore là. Voilà, il faut que tu l'améliores, oui. Quelqu'un a découvert Evran? Non. Oui. Non. Oui. D'accord, Evran, c'est. Il est paumé quoi. Oui, je m'entends bien avec lui. Ah, t'as découvert Evran? Attends. Mais c'est ce qu'il vient de te dire. Ouais. Ah mais, bah oui, mais du coup, Shoji, le lien de capteur actif aussi, qu'on sait. Échanger. En fait, ça nous permet chacun de voir le territoire de l'autre. Les troupes, où elles sont et tout ça. Tu vois mon truc là Oui, je vois tout. Et toi, tu vois moi aussi. Ok, nickel. Ah, faut que j'accepte? Non, c'est quoi ça? C'est de l'enquête? J'ai accepté. Ok, j'ai trop de trucs qui ont popé d'un coup là, ça m'a paumé. T'en sais comme ça. Comment t'as fait ton recherche, Pepero? De quoi? Comment t'as autant de niveaux de recherche? Bah, il s'est concentré uniquement sur ça. C'est ça. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Mais... Tes recherches, ça a combien, Pepero? Il est à 700 et quelques points. 750 points. 750.
C'est bien ça, parce que je crois que Uvran il est équivalent. Construction complete. Non, Uvran il a 456 et moi je suis à 438. Ah, effectivement, il y a pas mal de monde qui est inférieur. Ah, ah, mais du coup, Major, t'as pété les mecs qui étaient à Mérop, là ? Non, c'est des commerçants. Mais... Ah. Eh, au fait, ouvre-moi tes frontières, Hugo. J'ai une mission sur Corvette. C'est juste ça, vraiment juste. Ouais, ça va, alors. Juste ça. Donc, soit tu l'ouvres, soit tu te tapes une alliance Piaf humain sur la tête. Bon, non, on va en devoir fait, arrêter. Je vais fermer parce que j'ai pas encore sécurisé ma méga structure. Quoi? Special project complete. Ah, mais je sais. Yes. Ah oui, ok, c'est parce qu'il prend 15 ans. Trouver un moyen de fermer 1-1. J'ai ouvert un portail de la mort, de l'autre côté c'est, on dirait c'est soit Halo, soit je sais pas là. A plus tout le monde. Ah non, ciao ciao. Ciao ciao. On dirait le... comment il s'appelle? Doom. Ah, ah. Les mecs ils ont ouvert la porte et de l'autre côté de la porte t'as un truc qui fait que quand tu rencontres en contact tu peux être un boulon, tu te suicides, tu t'arraches, tu t'automutiles, tu dégages tes entrailles. Ah, t'as trouvé un portail dimensionnel. Ouais, mais j'ai envie de foutre le bordel dans l'univers, du coup je vais juste l'étudier, je vais pas le fermer. Au pire, j'espère que ma civilisation va pas disparaître d'un coup, ça serait con. Ouais, bon, du coup, au revoir. Non, tu peux avoir des events assez foireux, mais t'as des events vachement positifs. Toujours intéressant de le faire, super. Du coup, là, on arrête tous, c'est ça? Non, on peut continuer. Je sais pas, j'ai le jeu en pause. Ah, non. Ah oui, j'avais pas vu. Bah, après, l'IA va... Pire en fait. L'IA va prendre la place, ouais. Ouais. Anomaly found. System survey complete. Ok, donc ma capitale elle est nickel. Là il en manque de l'électricité. Research complete. Il faudra un petit peu plus de population aussi. Oui, il faudrait plus d'expansion de l'Empire, de capacité administrative. Construction complete. J'ai pas eu de recherche pour augmenter ça. Moi je suis un... Construction complete. Ok, donc la route commerciale est nickel. Oh putain, il y a un monde.
une Kaya ici. God damn it! Il est pas consacré, putain. Allez, let's go. Je le rejette. Ah, c'est quoi tout ça? Trop de choses à l'écran! Situation log updated. Research complete. Nos guerriers sont en route pour piller vos systèmes. Toi aussi t'as ça? Pomelo? Est-ce que tu as la Usco Freeholder qui veut te racketter? La qui? Bon, vas-y, c'est pas grave. Vandal, vous n'aurez rien de nous. Ah non, non, je l'ai pas. Ah, bah rip alors. Oups. Bah, si tu leur dis ça, tu vas être surpris. Bah, ça y est, ça m'attaque? Non, leur flotte, elle est pas encore là. Ça, c'est... Ça, si ils t'attaquent, c'est ou tu les as pas payés. Et c'est une attaque en représailles. J'ai pas payé. Hein? J'ai pas payé. Ah, bah, il fallait. Bah, c'est ce que je demandais, mais... Moi, j'ai pas de réponse. Je dis bon, allez, vas-y, je me rebelle. Il fallait payer. Ils ont des flottes beaucoup plus puissantes que nous. Bah, je savais pas. Ah, bah, maintenant, tu sais. Bah, du coup, bah, je suis mort complet. Il va se passer quoi, là? Non, t'es pas mort complet, mais par contre, ils vont venir se wiper de station. Ils vont juste venir casser quelques. Ils vont pas comment te faire perdre des parties de ton empire, en fait, ils vont juste venir voler des ressources, en fait. On peut pas terraformer un monde directement en Gaïa, là? Oui, mais il te faut la recherche. Ah, mais je découvre plein de monde, là. C'est ce bordel. Ah, mais j'ai pas la recherche pour le Gaïa, j'ai la recherche pour toutes les autres sauf le Gaïa. Voilà. C'est quoi toutes ces IA que vous m'avez fait découvrir, les gars? Ils vont arriver par où, les... Ah, c'est les Usco Freeholder, ils vont arriver par là-haut, donc faut jouer mon armée là-haut. Partout. Ensuite, là-bas, je peux faire quoi? Je vais prendre un... Non, toi, faut que je t'améliore. Research complete. Parce qu'il faut. Construction complete. Très honnêtement, que tu envoies ton armée ou pas, elle va rien. Bah ouais, mais bon, je sais pas, j'ai peut-être gagné du temps, ou peut-être que je sais pas, si je pète 2-3 vaisseaux, il fera demi-tour, il y a, j'en sais rien. L'armée qui va t'envoyer, elle a 4000 de puissance. C'est énorme. Si ce n'est pas actuellement, le plus fort d'entre nous devrait avoir 900 000, il devrait pas être très loin de ça. Non, moi je suis à 1200. Voilà, j'ai dit pas très loin de ça, donc. Donc une flotte de 4000 déjà là maintenant, c'est déjà assez pété. Alors, si déjà l'Empire Maraudeur, vous êtes déjà comme ça pour l'Empire Maraudeur, ne pensez même pas aux Empires déchus. Construction complete. Putain, fait chier, j'ai plus de ressources en plus, c'est chiant. Ouais, technologiquement, t'as largement supérieur à mon. Pepero, il est largement supérieur à mon. Technologique. Situation log updated. Ouais, Pomelo? Ouais. Si je te donne. Non, merde, Pepero. Evading hostile fleet. Attends, quand même. Si je te donne 5 d'énergie par mois, tu me mets un accord commercial? Un system survey complete. Eh hey Monique, l'énergie, c'est mon métier, je suis une entreprise. Je génère de l'énergie à mon pouvoir. Mayday, flotte de débile 143 m'attaque.
Ouais, t'avais checké ça avant. J'en chie l'ennemi. Putain, comment je vais faire? Après, moi perso, j'ai déjà plus de 4 Situation log updated. T'as combien? J'ai plus de 2-4 flottes. Hein. Spaceport under attack. Moi je peux toujours créer que des corvettes. Moi c'est, j'ai pu créer, je peux créer des. Des destroyers. Wow. Vas-y, on va zoomer sur la bataille. Et peut-être plus du vaisseau là. Démantelez vite. Acceptez. Prends mes ressources. Putain, il va vraiment passer de truc en truc comme ça? Il va me raser toute ma zone? Ah mais il va, en fait il va nettoyer toutes les stations que t'as construites et puis après... En fait j'ai plus de zone après. Mais si, tu gardes ta zone en fait. Il va te défoncer tes stations, mais en fait elles vont rester en place. Après c'est toutes tes stations minières qui vont être défoncées, qui vont être détruites. Mais sinon tout ce qui limite ton empire en fait reste en place. La prochaine fois tu le paieras. Et je vais même pas lui péter un vaisseau. Les pirates en début de game, faut pas, tu les payes. Vas-y, je vais envoyer ma troupe, moi je vais pas me laisser faire. Ma flotte. Vite. Interception. Evading hostile fleet. Hey, mais enfuis-toi, mon vaisseau de la construction là. Ouais, c'est bon, tu te casses. Ça va être chaud, hein. Tu vas gagner. Mais ma troupe, elle se déplace ou pas là? Prends 15 ans. Ouais. En ce moment, tu pourras pas grand chose contre lui. Hein. C'est pas grave, c'est pour l'image, c'est rigolo. Je vais avoir une baston à rouler dessus, mais. C'est pour l'image. Exactement. Sauvage. Moi, je pourrais dire que j'aurais fait une bataille, je me serais battu. Pas me laisser faire, pas des têtes de je sais pas quoi là. Enfin, je sais même plus à quoi il ressemble ce mec. D'ailleurs, c'est pareil, moi je vais bientôt partir en bataille là contre un. Contre un vaisseau alien là. Construction ship under attack. Bon, Non, restez là. Non, c'est qu'en plus, je peux même pas venir t'aider. Hein, parce que. Il est hostile qu'envers toi. Y'a quoi? Même si je pouvais venir t'aider, je peux le pas. Parce que la flotte, elle n'est qu'hostile que contre toi. Hein? Au moins une de nos flottes est portée disparue. C'est ta pote qui a eu un contact avec lui. Eh, hey, je lui ai pété des vaisseaux. Ils vont réapparaître. Oh, ça y est. Par contre, ta flotte, il faut que tu la mettes en offensive. Comment? T'appuies sur ta. Ah non, c'est bon, elle est en guerre. Baston. Ouh, ça pique les yeux. Ah, ça flash lui dans tous les sens. C'est les lasers, t'as équipé trop de lasers. Oh, y'a eu un freeze de ouf par contre. Ouais, ça c'est les latences parce qu'on est beaucoup. Allez, tu veux quelque chose? Zéro. J'ai zéro. Pourquoi y'a rien qui meurt? S'ils sont en avance technologique sur toi, oh. Certainement. Ben, ils ont toutes les armes niveau 3. Ah ouais. Research complete. B, tu veux attaquer le mec qui a fait Mining station lost. Bah
si j'ai de quoi... Attends, j'ai ma redoute qui se finit dans pas longtemps, je vais pouvoir lancer mes chantiers et puis comme... Donc moi j'ai ma flotte hein, qui est largement supérieure à la sienne. Juste avec nos deux flottes on l'envahit. T'as bien de la chance. Et ils vont aller jusqu'à ma base principale comme ça, en mode vénère? Bah as you wish hein. Research station lost. Ramène tes flottes à Izel. On va commencer à Izel. Ça fait quoi si j'insulte un empire déchu? Le fait pas. Très mauvaise chose. Non. Surtout si c'est un empire déchu à côté de vous. Faut que j'envoie mes vaisseaux où? À Izel, tu m'as dit, c'est où ça? Ah non, mais c'est pas un problème pour nous, hein. À Elzen. C'est si c'est toi qui l'insulte, c'est contre toi qu'ils vont en avoir. T'as une touche pour sélectionner tous tes vaisseaux? Oui, dans ton gestionnaire. Evading hostile fleet. Tu vas dans tes flottes militaires et tu fais shift et tu les sélectionnes toutes. Ou alors dans la vue de la. Dans la vue de la carte. De la carte galactique, tu zoomes sur le système et après t'as juste appuyé sur une des flottes. Normalement, ça te sélectionne toutes les flottes. Attends, comment je fais? Attends, j'ai pas compris là. Ça, non, ça veut pas. Je suis dans gestion des flottes, tu vas faire quoi? Gestion des flottes, tu vas dans la partie où il y a toutes tes flottes militaires et tu fais clic gauche avec le shift, avec la mage pour les sélectionner toutes. Marche pas. Ça marche pas? C'est non. Sûrement parce qu'elles sont en guerre là. Parce qu'il vient d'arriver sur ton. Evading hostile fleet. Sur ton système principal. Fuyez, pauvre fou! Oh là là, il m'aura tellement tout défoncé. Il aura rien perdu. Regarde, il a perdu 4% d'HP là. 5, waouh. Aïe. Vous avez trouvé Uran en fait? Non, ouais, je suis à côté de lui. Uran, tu. Je viens à Izel de mon côté. Ma flotte qui est en train d'arriver. Je suis en train de préparer la mienne. Voilà. Vous avez attaqué lequel là en fait dès le début là? Evran et Pepero. Connor, qui est en haut à gauche, un assimilateur robot. Ah, il y a quelqu'un qui t'a déclaré la rivalité, Shoji. VM Trading Consortium, mais j'ai rien fait, j'ai en train de me faire péter et ils veulent me taper sur la tête aussi. Oh putain, c'est tout le truc, tout le gros truc en dessous de moi. Oh. Omelo. Bah, oui. PP, par contre, on fait comment pour la revendication? J'ai pas compris. C'était à PP que je parlais en fait. Les revendications, on en fait comment? Ah, y'a pas besoin d'avoir de revendications avec lui. C'est un exterminateur, donc tu lui déclares la guerre et tous les systèmes sur lesquels tu roules, tu les récupères instantanément. Bon, tu vas avoir un grand empire, toi. Parce que c'est tout comme on part de tes frontières, c'est toi. Ça va pas me faire, ça va pas me faire du mal parce que en fait, en vrai, ça me coûte suffisamment cher là de le tenir éloigné depuis un moment. C'est pour ça que Izel dégager tout de suite et puis après on sera tranquille. C'est ça, la station de Izel en fait, je l'ai boosté exprès pour qu'il puisse pas passer par dessus. Balèze, elle a combien de puissance? 3008. Oui, d'accord. Bon, on attend qu'il vienne s'écraser dessus et après. Ouais, je vais lui déclarer la guerre. Je suis en train de faire des flottes de transport en fait. À tous les coups, il va aller sur Amcad. Je
Ah ok, Hysteria a accepté, il n'y a plus que toi, Yvran. Par contre, on en parle, c'est quand il se barre chez moi, le mec, là. Quand il aura fini de te rape une planète, il va venir, il va... Oh, oh, oh putain. Non, bah ils sont... C'est pour ça, hein, ils sont vraiment chiants, hein, clairement. Initialisation des protocoles d'extermination. Annihilation imminente en attente. Ouais. De toi, connard. Surtout qu'on est... Putain, j'en étais tellement sûr qu'il allait aller à Amcad, cet enculé. Amcad, il y a zéro station, c'est le mec, il vient à Amcad. Il passe par la droite. Bien sûr qu'il passe par la droite, c'est sûr. Sa flotte, elle est à sa capitale. Je vois sa flotte. J'ai ma flotte qui arrive, si tu tires juste deux secondes, j'ai ma flotte qui tranque là, si... T'embête pas, Hysteria, on va largement le dépenser. Ok. Comment ma flotte, elle est combinée de tornettes. C'est ouais, clair, t'auras pas de problème normalement de ton côté. C'est rarement mes frontières qui risquent de manquer. Dégueulasse. Il fait... Ah, une cuirassée sous les... Ça me saoule, j'ai toujours même. J'ai jamais eu de recherche pour les. Pour avoir de nouveaux vaisseaux, tu fais que des corps. Ah ouais, mon cuirassier est plus la merde, c'est normal. En vrai, ça va, j'ai des corvettes avec canon 3, il a quoi en face. Tu veux missile nucléaire, s'il te plaît. Research complete. Je comprends pas ce qui me coûte aussi cher en fait, en vrai. C'est ça, c'est ma base stellaire qui me coûte bonbon, quoi. Je suis tellement mieux sans ma base stellaire. Est-ce que t'en aurais pas trop? Non, j'en ai deux. C'est une base stellaire qui me coûte bonbon parce que c'est ma base. Après, elle a 4-4 puissance, hein, sa base stellaire. Salut Survivor, merci pour ton follow. C'est bon? Non, c'est pas bon. T'es toujours en train de te faire. Là, je suis juste en mode AFK parce que il y a cette grosse flotte de bâtards qui tabasse la planète. Ils sont en train de péter ma planète base. Ma capitale. Ah bon? Bonne journée en repos. Parce qu'on a perdu PP. Ah. C'est dormir dans tout ça. Tu veux dormir? Par contre, je suis dans la merde, hein, je pars dans le négatif dans beaucoup de trucs avec toutes ces conneries qui m'ont pété là. Oui, lui, il était dans la merde. C'est bien une finition des maraudeurs, ça. Faire quoi, vous voulez continuer ou vous voulez pause? Ouais, parce que là, Papyrus, du coup, il est pas là. Mais je sais pas trop ce qu'il y a. Bah, 3 jours en moins. Faire beaucoup, hein. On va jouer demain. Hein. Moi, je suis pas pressé. Moi, je dois y aller dans 10 minutes. Bah, allez, vas-y, hop. Ouais, voilà. Profite. Pause, mal. Sauvegarder. Vous pouvez quitter. Eh ben voilà, c'était sympa. Je fais sauvegarder moi, suivant. Non, y'a pas de monde qui... Ok. Une fois qu'on arrive à réunir autant de monde... Bon, du coup, Iriel, tu t'en seras sorti mieux que moi. Moi, je me suis fait raser par un putain d'IA, quoi. T'as vu, les poulets, ils se sentent pas trop mal non plus, hein. Ils sont longs pour taper. Ouais, bah, c'était tellement long, et c'était en pause, surtout, Hilda. Putain. Le jeu était en pause. Il y avait encore l'animation de la bête qui explosait, du coup je peux comprendre. De toute façon, je vais stopper le live là si tu veux venir vocal. Du coup, là c'est fini la partie. Ouais, ouais. Oui, sérieux, ciao, ciao.
Bon, les quelques personnes du live, moi je vous remercie d'être passé en tout cas. Bonne soirée à tous et Elda, ouais, il y a moyen qu'on switch de jeu. Tu viens avec nous, on va voir sur quoi on part, sur du TFT, du LOL, du Black Squad, on verra bien. Je coupe le live, bye bye.